Ok, il est bon. Il est bon. Alors, je vous rappelle. Alors, oui, il faut que je fasse des modifs de titre. Excusez-moi, attendez, 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 attendez. Hop. On va se mettre. Alors, avertissement. Hop. Hop. Parce que je commence à comprendre un peu le système de travail de. Hop. Donc là, on va avoir notre cher Wizbot qui va nous dire « Ah, au fait, tu sais que tu as changé ?» Voilà, merci, merci Wizbot. Omori, épisode 7. Je vais faire un truc aussi que j'ai. Enfin, là, j'ai pas besoin. J'avais baissé la taille de. Ah, tiens. Hop. Je vais monter un peu le son. Ok. Qu'est-ce que je voulais faire aussi? Alors, du coup. Ah oui, c'est ça, il faut que je remette le. On n'est pas à 67. J'aime bien les barres Streamlabs, en fait, c'est quand tu les fais à la main. C'est pour ça que je voulais pas le faire à la main. Hop, je le remets à zéro. Quand tu le fais à la main, le truc, c'est que tu te retrouves avec. Avec des trucs où c'est n'importe quoi. Faut que je recommence tout. Ok. Faut que je recommence tout. Ok. On est à 62 là, je crois. Je fais end. Et je vais recommencer. Hop. Road to. J'ai du mal à saisir pour comment le faire. Le but, on va faire 100. On va se dire que oui. Et là, on est à 62. Ou 60. Je crois qu'il avait dit 62 plus 1. Donc ça fait 63. C'est ça? Twitch, bonjour. Est-ce que tu peux nous dire? Et après, on enchaîne avec Omori, parce que faut y aller. Il faut y aller. Ah oui, je vous ai pas dit aussi, c'est assez marrant. Là, ça fait 2 jours. 63, 63. Grâce à Idriss Buisson. Ça fait 2 jours où je me dis, on peut streamer. Depuis jeudi, en fait, même. On peut streamer, on peut y aller, j'ai du giga à balancer. C'est pour ça que j'avais commencé à préparer World War Z pour faire un truc genre de soir. On va dire que ça finit en septembre. 09-01. Et en fait le truc c'est que... eh bien je sentais pas la foi, et en plus il y avait tellement de trucs qui se passaient là par exemple... tellement de trucs qui se passent et à voir des belles choses en plus hein, la saison antifasciste qui est finie, enfin qui finit pas vraiment mais qui se fait un bilan avant les vacances, il y avait des trucs hein. Du coup j'étais, je savais pas trop quoi proposer, je pouvais mais je ne l'ai pas fait, voilà, je vais laisser voilà ça on a pas besoin. Ok, j'ai fermé le maximum. Je vais valider Idriss. Valider Bibule. Je sais pas pourquoi c'était pas validé. Hop. Je déplace cette fenêtre, s'il vous plaît, merci. Ok. Donc, je vous rappelle que la dernière fois, on était toujours dans le château de Sweet Earth. On avait trouvé des endroits où on n'était pas allé. Et où faut aller. Et il faut passer en dessous aussi. Et du coup, il y avait des endroits où on n'était pas passé. Ah oui, il y avait plein de choses aussi qu'on n'avait pas fait. Je crois qu'on n'est pas fait tout. Donc là, on avait réussi à passer par là, et du coup, ça nous fait sortir. Le fait de nous faire sortir, voilà, on se retrouve ici. Pic, pic, pic. Là, il y a plein de thunes, si je me rappelle bien. On va peut-être y aller. Voilà. On récupère un peu de thunes. On va y aller. Et du coup, on avait vu l'opéra, le théâtre plutôt, des Topus. Et je crois qu'on n'était pas allé par là, je sais plus.
Si ça, on avait fait le super gâteau, et du coup, on n'avait pas essayé de passer par là, par contre. J'ai oublié qu'il y ait... Ah, Marie, toi ici. Donc le top pouce regarde un portrait de Sweetheart. Gaze at, donc c'est même pire que regarde, juste, c'est bave devant. On a de la thune hein, dans ce château. Bonjour Marie. Oui, il y a beaucoup de top pouces ici. Et ils sont tous amoureux de Sweetheart. J'ai essayé de leur offrir quelques repas, mais... Mais elle m'a appelé un pan et elle me l'a rejeté à moi. Un pan, c'est un peon, c'est un pauvre. Ou un mendiant. Les top pouces sont des créatures particulières, non? Oui, bah... On va sauvegarder ici, hein. Ah non, on peut pas sauvegarder. Si, on peut sauvegarder là. On va sauvegarder là. Je savais pas qu'on pouvait sauvegarder ici. Ah oui, donc du coup... Vous avez dû voir qu'on est en plus 18. N'oublions pas. Omori nécessite un avertissement. Je vous le rappelle. Parce que là, ça a l'air tout mignon et tout, mais non. J'ai fait une faute. Attendez, j'ai fait une faute. 2 minutes. Hop. Hop. Voilà. Donc Omori est un jeu d'horreur psychologique qui nécessite un avertissement. Cet avertissement sera mis à jour, nous commençons à peine, protégez-vous, sujet perte. Donc la perte, la dépression, le suicide, l'anxiété, le bullying. Alors le bullying, je n'ai toujours pas le terme en français, mais bon, c'est pas grave. C'est le fait de mettre à la main de quelqu'un, de le mettre dans ses retranchements, psychologiquement ou physiquement. Harcèlement, sexisme, voilà. Donc c'est tout ce qui est dans le sujet pour l'instant. Et là j'ai l'impression qu'on va dériver sur autre chose, puisque c'est peut-être de la santé mentale pour Sweetheart. Vu qu'il y a beaucoup de trucs où ça tourne un peu sur ça. Ah! T'as été traduit aujourd'hui. Sors de ma chambre ou j'appellerai les flics. Oh François, je ne peux pas comprendre un traître mot de ce que tu dis. Mais ça a l'air... miraculeux. Alors excuse-moi Tu peux sortir de sa chambre, par contre, ça serait bien, hein. S'il te plaît, le consentement, tout ça. Donc là, il y a une... Ok. Un peu d'argent. Bon, il n'y avait pas grand-chose ici, en final. Je pensais pas qu'on pouvait sauvegarder là. Là, on avait fait un super gâteau et un mauvais gâteau. Un super gâteau où il y a quelqu'un qui a été viré et un super bon gâteau qui... a été emmené à Sweetheart. Donc du coup j'ai l'impression qu'on... Donc ça on est arrivé par là. Ah oui, j'ai oublié qu'il fallait pas la rencontrer, c'est vrai. Ah mais ils ont trop de vie en plus. Bon, ils sont neutres là pour l'instant. Ah non, il est électrique. C'est pas grave. Je fais toujours la même technique, hein. C'est la même technique que Pokémon, c'est t'as une attaque qui fonctionne, tu l'utilises. Ouais, on m'a souvent, enfin, je me suis souvent reproché de pas avoir joué stratégique dans Pokémon. J'aurais peut-être dû, et là c'est un peu la même chose, mais sauf que... En fait, si ça fonctionne, pourquoi je devrais jouer stratégique? Là, on est pas en train de mourir, y'a pas trop de problèmes. À partir du moment où on a 50%, on peut commencer à jouer stratégique, mais là, ça va. Du coup, il y avait un truc aussi qui était par ici, et après, on n'était pas allé en bas. Donc, on va aller par là, d'abord. Ah oui! Alors, on n'était pas monté, je crois.
On va aller dans les chambres, on va les voir. Je suis pas sûr qu'on était monté. De toute façon, faut avancer parce que on est à 7 fois 3,5. Ça fait 21, 23 et quelques heures. Bah, tiens, ça c'est un brillant, je prends. J'ai pris une perle. De la poésie. Ah. Et donc du coup, on est à 23h, normalement on aurait dû finir à 20h, enfin à 20h de jeu. Ah, un jour c'était... Quel joli jour. Super, méga poésie. J'imagine que je suis pas très poète dans la littérature, donc du coup je peux pas vous aider sur est-ce que c'était la bonne poésie ou pas. Ah, c'est notre gâteau. Un super gâteau un gâteau aux fraises qui sent la rosemary. Donc la fleur, j'imagine. Est-ce que tu veux manger un morceau? Bah oui, on va manger un morceau. J'aurais pas dû. Ah! Jam pocket? C'est quoi les jam pocket? C'est quoi? C'est ici? Est-ce qu'on a fait exactement comme dans les mangas de... Alors, infusé avec l'esprit de la vie. Ah, on peut avoir une résurrection pour tous. Ok. Ah, le gâteau. The cake is not a lie, apparemment. Ouais, donc du coup, ce que je disais, c'est que... dans les mangas, ouais, ils font ça, tu sais, quand tu... Dans les mangas de bouffe, là, c'est assez rigolo, c'est que, genre, ils ont des orgasmes quand tu manges. Magnificent, alors un large et rose, et grand lit rose. Est-ce que tu veux dormir avec tes amis? Bah oui, on va dormir avec nos amis dans le lit de Sweeter, bien entendu. J'ai trouvé un coussin de corps. Alors je sais pas Body Pillow ce que c'est, mais j'imagine que c'était Toys. Non. Important. Non. On a fait aucune... J'ai l'impression qu'on a fait aucune... Body Pillow. Bah, Body Pillow. Ah non, c'est peut-être un truc que je dois équiper. Alors attendez. Ah oui, donc c'est ça, c'est oui. C'est la taille d'un... C'est un coussin de taille humaine. 164 et 44 d'attaque. Wow. C'est un grand changement. Bon, on va prendre le Body Pillow, écoute, qu'est-ce que je dis, on perd de la chance, mais c'est très bien. Bonjour, petite topouce. Castella. Eh, mais c'est la tête de Sweet... C'est de Space Boy? J'avais pas vu. Qu'est-ce que vous faites ici? Les top prousses communs ne sont pas autorisés à être dans la chambre de Sweetheart. Tu connais les règles. Attends une minute. Peut-être que tu serais capable de m'aider. Sweetheart m'a demandé de bouger cette statue à l'extérieur de sa chambre. Avant qu'elle revienne. Mais je n'y arrive pas du tout. Si seulement cette chose serait soudainement et de manière conveniently, c'est soudainement explosée en plusieurs petites pièces. On va le faire. Oui, écoutez madame, ça a l'air d'être... est-ce que ça ressemble que vous avez besoin d'un peu de destruction, et Aubrey est là pour pouvoir détruire, et vu que c'est notre spécialiste. Aubrey? Ah, c'est un nom très étrange pour un tout pouce. Allez, Sweetheart, d'ailleurs, Sweetheart, running out of new... Elle a peut-être eu peu de noms en tête à ce moment-là. Attends qu'elle... est-ce que c'est pas une statue de Captain Space Boy? Je me sentirais mal de le détruire. C'est pas comme s'il allait savoir. Captain Space Boy et Sweetheart ne sont que des ex.
Vivre et laisser vivre. Live on let live, what's what, c'est tout ce que je dis. Tu ne dis pas ça du tout. Mais ok, je peux essayer. Salut, on vient casser. Ok, allons-y. Cette fois-ci, je ne vais pas louper. Oh, elle a même pas touché. Ah. Oh. Mon dieu. Vous les avez réussi. Ouais, maintenant c'est le moment de nettoyer. Ah, c'est bien, c'est juste en marchant dessus, c'est cool ça. C'est pratique. Vous êtes vraiment des sauveurs. J'aurais dû savoir que... Que j'aurais dû laisser cette tâche à des spécialistes. Ah. Bah, il arrive... Top Pouce arrive bien à dépasser ce truc là. Pourtant... Wouah. C'est une surprise. Tout ce que j'ai dû... tout ce que j'ai dû à faire, c'était de le soulever du sol. Ok, bah, t'aurais pu faire avant. Hein. Ah, attendez, attendez. J'ai vu un portrait de... De Space Boy avec des... avec du jus et des fléchettes. Bon, ça a l'air bien, sa maison. On a trouvé une tipote. Et Hero a pris Tea Time. Alors, attention. Skills... Hero Tea Time, il a appris. Alors, ça permet de soigner du cœur et de l'énergie. Ok, de la vie et de l'énergie, c'est très très bien. Non mais... Oh! La règle des 180 dans le jeu, ça existe? Bref, de gens qui travaillent dans le ciné. Ou dans la vidéo, tout simplement. Ah non, je l'ai pas vu. Ils sont trois. Il y en a un qui est énervé. Je m'en rappelle plus. Oh non, il y a la fléchette. Bon, on va utiliser des skins. Hein. Voilà, on va attaquer quelqu'un trois fois. On va mettre un coup de tête à lui. On va faire un ricochet. Et essayer de faire un truc. J'aimerais bien qu'on puisse... On peut pas rendre tout le monde... je sais plus en fait, on va rester en... Vas-y, on attaque. Je m'en rappelle plus. Enfin, c'est la technique du pire précision, hein, je vous rappelle. Hein. C'est juste, faut être heureux, faut pas être heureux. Ah bah fallait être heureux avec les méchants, avec les gens qui sont énervés, j'ai l'impression. Lequel. J'aurais dû appeler ouais. Toum, 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 toum. Coup de tête. Bon, on attaque normalement. Oh, 1500 cas, je sais pas combien. On a perdu une painful truth. La vérité qui fait mal. T'as appris ça à mourir, mais on fait que du level up ici hein, dans ce truc-là. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Ça donne des dommages à un ennemi. Et Omori et l'ennemi deviennent tristes. Je suis sûr que ça c'est bien, mais je sais pas l'utiliser. Du coup, j'ai pas l'impression de l'utiliser.
toutes les émotions, hein, la palette des émotions n'est pas utilisée, nous sommes tout le temps neutres. Ah oui, c'est vrai. Là, il y avait un truc qu'on n'avait pas vu, c'était tout droit, je crois. Voilà, on n'était pas allé jusque là-bas. De toute façon, ça a l'air très compliqué. Ah, bonjour, 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 bonjour. Donc, c'est pas compliqué du tout. Et donc là, on n'avait pas vu. On n'avait pas vu tout ça. Donc, peut-être qu'il faut discuter avec les gens, mais j'ai pas envie, en fait. Bonjour. Alors, d'ici 40 minutes, je pense qu'on fera une pause. Une pause café. Je serai en mode pause. Et je reviendrai. Bien entendu. Ok, you got no color in your face. Je comprends rien. Je comprends pas ce que tu me dis, je veux pas savoir quoi. Bienvenue à la Galerie Royale. Oui, s'il vous plaît, prenez ce tofu. Merci. Vous êtes trop fan de tofu ici. Bienvenue à la Galerie Royale. Prends du tofu. Ok, merci. Cette statue est faite en larmes cristallisées des ennemis de Sweetheart. Tellement bien. Commence à devenir fan de Sweetheart là. Aïe aïe aïe. Ah, il y a des persos qu'on arrête. Qui ne sont pas des top pouces. Captain Pyramide. Quel fantastique show. La visite. Est aussi cool que l'oasis orange. L'oasis orangé. Ce mois-ci, il y a les œuvres de Sweetheart. Ok. Ah, donc c'est vraiment une. C'est un musée. Ouais, c'est ça. Cette galerie montre que des trucs cool. Ils auraient dû me montrer aussi, je suis quelque chose de cool. Je suis quelqu'un de cool. Okay. Mais vous, on vous a déjà vu, madame? Ouh là là, je suis totalement touché par ce travail. Ce display, alors cette monstration de l'artiste, de son ego immense, est vraiment à couper le souffle. Sur le chemin d'ici, je vais accidentellement marcher sur un pied de top pouce. Du coup, elle m'a appelé que j'étais elle m'a appelé, donc toutes les top pouces sont des femmes. Impossible, j'ai pas fait gaffe. Misérable, pauvre, on se l'appelle Missili. Je sais pas si c'est Sweetheart ou... J'ai l'impression de lui avoir fait mal au pied. Ah, il y a une... Alors, on voit toujours pas les sons des fantômes. Hein. Ces peintures ont réveillé quelque chose en moi. J'espère que ce n'est pas permanent. Ça dépend. Oh 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 oh. Cette monstration est juste magnifique. Dohan pense que Dohan a compris là. Mais après être venu ici, Dohan se repose la question à lui. Est-ce que ce ne serait pas les œuvres d'art les plus intéressantes, les plus importantes, les plus que vous avez vu? Alors on va les regarder. Donc c'est Sweetheart Everywhere. Alors il y a pas mal de trucs. Hein. Il y a du coup Aphrodite. Il y a la Joconde sur la gauche, il y a le cri, du Manet, je dirais, Monet en haut, le déjeuner sur l'herbe là, il y a la création de Sweetheart, j'imagine apparemment, il y a Guérico, alors, Guérico, comment ça s'appelle, non pas Guérico. Il y a le radeau de la Méduse, meilleur de tableau, c'est celui qui est juste à côté de Aphrodite, plutôt grand. Le radeau de la Méduse est énorme. Normalement, il aurait dû prendre tout ce mur-là. Il y a aussi Sweetheart mangeant, donc ça c'est... comment ça s'appelle? Celui-ci, là. Celui-ci, c'est Chronos. C'est Chronos? Je sais plus. Oui, Chronos qui mange ses enfants.
Alors, from top to bottom. Ah oui, donc oui, c'est. Donc la boucle de la boucle de perles. Là. Crossing the Delaware. C'est quoi ça? Itching brut. ils ont sorti les mots termes. C'est pas du tout ça. Du coup, il y a le radeau de la Méduse. Et il y a alors le tableau de Picasso, c'est sur la guerre de. C'est juste au-dessus de Aphrodite et à côté de la création du monde. Là. Qui est donc le troisième en portant du haut à de gauche, donc dans le sens de la lecture, c'est le déjeuner sur l'herbe, la création du monde, Picasso, et donc du coup ça c'est la, sur la guerre en Espagne, je me rappelle plus, je crois que c'est Guérico, je suis pas sûr, Guérico c'est un artiste. Sinon il y a la jeune fille à la perle juste après. Alors ça c'est les nuits, je me rappelle jamais, je pourrais pas vous dire le terme. La Joconde, le cri. Aphrodite, le radeau de la Méduse, pareil, hein, les termes, les noms, je ne me rappelle pas exactement. Donc, Cronos mangeant ses enfants. Et le dernier, j'ai du mal à saisir qui ça pourrait être. J'ai du mal à saisir. En tout cas, ça c'est cool. C'est bien parce que j'avais vu un. Alors, attendez, il faut que je me rappelle de la touche que j'avais mis pour. Pour le petit bidouille, la petite bidouille, je sais plus. Voilà, bon, on va faire une capture d'écran à partir de ce moment-là. Hein. Note à moi-même, capture d'écran. Attention. Ah, mais il y a une pièce là. Comment je fais pour la prendre la pièce? J'ai des ramènes. Ok. Est-ce que je peux prendre ça? Alors, faut peut-être que je sois en Omori. Voilà. On prend cette pièce. Donc il y a des trucs que Omori peut voir que les autres ne peuvent pas voir. Et peut-être que les fantômes, c'est lui qui peut les voir aussi. Il y a un trou. Bah oui, on va aller dans le trou. Quelque chose nous tient la main. Non, je veux pas aller de l'autre côté. Quoi? Ah, il y a aussi un visage là. Les murs à visage, c'est étrange qu'ils soient encore là. Je croyais que c'était que à l'extérieur. Oh, ça devient compliqué. C'est incroyable ce show, mais très étrange. Je ne me rappelle pas que ce château était là avant. Peut-être que j'imagine des trucs. Mais est-ce que du coup, si on change là, est-ce qu'ils voient le fantôme? Non. Eh bien voilà, nous avons fait le tour de cette magnifique. Bon, excusez-moi, il faut que je change. C'est le travail d'Aubray en ce moment. Eh bien, c'était pas mal cette petite galerie. C'est bien d'aller voir une exposition de temps en temps. Surtout les expositions gratuites, hein. N'hésitez pas. Toutes les expositions gratuites sont ouvertes au public. Et en plus, potentiellement, vous allez avoir un pot. Si vous voulez manger ou boire, je vous conseille d'y aller. Bon, alors du coup on est passé par là, mais je crois qu'on a fait tout en bas. Du coup on va essayer d'aller de l'autre côté cette fois-ci. On va essayer d'éviter. Ah oui, on peut lancer encore une pièce ici maintenant. Pas lancer des pièces. On va de l'autre côté. Je sais pas par où on sort. Hein. Normalement on devrait se battre contre Sweeter, je pense. Mais je sais pas exactement. Ah oui, il y avait ça. Ah ouais, c'est par là. C'est par là où on avait dit oui, ça a l'air d'être la suite. Ah oui. Non. Alors c'est la taupe virtuose. Ce n'est pas du tout ça. Vous au centre gauche, vous dites que vous chantez là? Mon cousin. Non, c'est plus. Comment ça s'appelle déjà le flamingo? Je m'en rappelle plus. Le flamant rose en plastique de mon cousin chante mieux que vous.
Et je ne pense pas que je ne peux pas vous que je pou, que je pense, ne pensez pas que je ne peux pas vous voir au fond non plus pendant que vous faites le cœur. Faites reprenez-vous ou sinon Sweetheart vous jettera dans le donjon. Et nous on sort du donjon, hein, je vous rappelle. On va faire de la musique. Cet Top Pouce semble avoir quelques problèmes. Je me demande s'ils ont besoin d'aide. Eh, les gars, et si on les aidait? On est des aidants professionnels, non? Oh, merci, les professionnels sont arrivés. On a vraiment besoin que le cœur soit prêt avant que Sweetheart, avant l'événement de Sweetheart. Mais il n'y a pas suffisamment de temps. Vous voyez, les top pouces sont devenus très fatigués en écoutant la musique. Fatigués. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. So, comme vous pouvez imaginer, les cœurs les fait tomber dans le sommeil. J'ai du mal à traduire. Hein. Je suis désolé d'en être arrivé à là, mais à cette alternative, à cette méthode alternative pour les garder éveillés. C'est-à-dire, n'ayez pas peur, chers camarades Top Pouce. Je sais exactement de quoi vous parlez. Quoi? Le sucre? Ah bon? Merci, vous êtes sauvés, nous sommes sauvés. Je n'en attendrai pas moins des professionnels. Je vais m'en charger, gentilhomme. Gentilhomme. Goutte sœur. Vous pouvez me croire. Excusez-moi, je fais vraiment de la... Alors du coup, je suppose qu'on va devoir jouer de la... voilà. Attends, quoi? C'est le son que fait cette batterie. Ok. C'est le son de cette trompette. Ça fait quoi? Mais non, c'est pas du tout. Ah, c'est une harpe. C'est une harpe qui ressemble à un corps. Une machine à. Ok. On va tricher, hein. Je sais pas du tout de quoi tu parles. Du coup, on va se droguer au. Voilà. Alors, quand on se drogue, c'est au sucre. Là, actuellement. Donc, fraise. Un gâteau aux fraises qui sent l'océan. Oui, on va manger. Allez, direction l'océan. Est-ce que ce serait la musique de l'océan? Et on a encore trouvé des trucs qui nous fait tous revivre. C'est intéressant. Ces gâteaux qui se transportent, ça me fait énormément penser à Alice au Pays des Merveilles, mais j'imagine que c'est l'inspiration. Alors peut-être que c'est par là qu'il faut aller. Ah, j'ai bien fait de passer par là. Du soda à la pêche. On trouve que des trucs à sucre. Hein. Choqué. Ne prenez pas trop de sucre. Le sucre, c'est pas très très bon. Ah oui, il faut juste que... Non mais il va les tabasser. Quel, je te connais. Hein. Vas-y, fais... T'es musicien? J'imagine que tu sais faire ça. La batterie. Sinon on triche? Quel est peut-être fort à tricher, sans doute. Ok, donc faut juste que je tag. Monsieur la taupe virtuose. Je suis prêt. Merci, professionnel. Nous sommes endettés envers vous. On va leur lancer des patates, quoi. Ah! C'est moi qui joue! Ah, je suis nul à Space Invaders, mais pourquoi?
Oui, on va essayer, mais du coup, on est vraiment. Ça va être compliqué. Le déplacement est compliqué, je tiens à préciser. Alors. Premier qui s'endort. Oh, j'ai loupé. Oh là là. Ah oui, on va essayer une dernière fois. Mais c'est juste infaisable en fait. Il faut être plusieurs. Donc ça commence par nous. Ah ouais, ils ont quand même une animation avant. En fait, ils sont tellement petits, j'ai du mal à voir. Wow! Ah, ils sont endormis à la fin. Bon, vas-y, c'est bon. Alors, en fait, il n'y a aucune. Je suis pas sûr qu'on puisse réussir ce truc-là. Bon, en tout cas, on sait qu'il y a un truc qui se prépare. Donc là, ils sont en train de danser. Faut qu'on danse avec eux. Oh, il est tout seul. Mais oui, mais on va être ton partenaire, oui! Par contre, je suis nul! Ah, ouais, bref, fait travail. J'aurais dû mettre Omori ou Héros. Heureusement que c'est pas à moi de jouer, hein, purée, voilà. J'espère qu'on n'est pas en train d'apprendre. Non, non, non! Ah! Qu'est-ce que c'est que ces sentiments? Mon cœur bat la chamade. Merci. On a l'air d'être comme neuf. Merci. La danse nous permet. Alors, c'est assez bien. Je suis d'accord. Je suis un peu d'accord avec ça. La danse nous permet de revenir à zéro. Bon, toi, je te laisse tranquille. On va aller de l'autre côté. Y a rien. On va aller en haut. Y a rien. Je pense qu'on a fait tout le tour. Il nous manque juste, du coup, on vérifie. Ah, non, ça y est, c'est fini. Mais non, mais non, mais toi, non! C'est Sœur Maximus 2, c'est le deuxième. Ah non, c'est encore le sous-boss. Vous, imposteur! Je sais qui vous êtes, et vous n'êtes pas des top pouces. Vous vous demandez comment j'ai pu savoir. Vous savez, je suis le fils de la, du warrior, du guerrier légendaire de la fable Sœur Maximus. Vous avez été. Vous avez peut-être défoncé mon père, mais pas moi. Je suis plus fort. Voici la lignée imprécise, la lignée incroyable de mon père et moi. Je serai victorieux. Il va nous faire un Kamehameha père-fils là. Ah ouais. Arrivé d'un boss tel qu'on le voit, hein, c'est de haut en bas. Alors, bonjour monsieur, nous avons décidé d'attaquer normalement et de vous faire ensuite un combo. Ah, il est triste, donc du coup, il faudrait que je sois. Je sais plus. Déjà, on va se mettre triste, donc. Ah non, parce que si j'utilise le skill, ils vont. Non, vas-y, c'est pas grave. Nous, on fait des combos. Nous, on vise le combo, nous. Ouais, faudrait que je sois énervé. Parce que là, il est même. Même héros qui est heureux, rien pour faire. 27, ça va, hein. Non, mais t'inquiète, on va y arriver. Je peux pas laisser mon père mourir en vain. C'est un clash, man. C'est tellement.
tellement les persos de shonen. Allez! Die already, comme dirait. Je ne sais pas qui. Je sais pas si vous avez vu tout à l'heure, mais du coup j'ai modifié la caméra. Elle est plus fluide. Ah, on va arriver à 10. Quoi ? Il va nous faire un caméa pas perfis ? Non ! Et voilà, il nous a fait un caméa perfis. Oh là là, je suis choqué. J'étais sûr. Mais par contre, release énergie. Non, pas trip. C'était release énergie qu'il fallait faire. On va devoir. Je sais plus quoi. Je sais pas ce qu'on va nous faire. Donc déjà, on va se regarder quel. Et on va essayer de sauver tout le monde. Il faut qu'on sauve Omori surtout. On utilise tout notre combo, c'est pas grave. Oh. Trop mignon, nous. Lui, on voit des cœurs. Bon, ça marche pas sur. Il n'y a que Omori qui peut. Bah voilà, c'est fini. Ouah, je suis choqué. On s'est battu pour rien là. Bon, si, on a eu des pommiers. Eh bien, merci pour les niveaux. Et bah voilà, hein, c'était bien. Hein. Je pensais qu'on avait. En fait, on aurait release l'énergie, il serait mort direct. On n'aurait pas pris le. Ouais, le caméra perfis, il était dur quand même. Elle est où déjà? Ah oui, elle est dans les cuisines. On va aller dans les cuisines. On va aller sauvegarder, prendre de la vie. Je suppose que l'événement principal, c'est bientôt fini. On va y arriver. Il y avait des choses à faire. Avant. Comme récupérer de la vie, déjà. Est-ce que Marley nous propose de faire un pique-nique ici? Je suis pas sûr. Parce que tout à l'heure, dans le donjon, on pouvait. Mais là, ah si, il y a toute la salle qui est en tapis. Est-ce qu'on peut faire... Salut Aubrey, t'es toute mignonne aujourd'hui. Tu prends tellement bien soin de tes cheveux. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Tout ce qui en coûte, c'est ton amour. Donc on a tout ça de ne pas fini, et ça, tout ça qu'on a fini. Ah, mais je savais pas qu'on avait fini toutes ces semi-niquettes. On a fait quand même du travail, en fait. Oui, on va sauvegarder. Tant pis. J'ai fait une deuxième sauvegarde, c'est pas grave. Il faudra s'en rappeler, mais c'est pas grave. Logiquement, le temps est écrit 15 heures, on a fait. Donc normalement, il nous reste 5 heures, en fait. Comment ça se fait qu'il reste 15 heures, hein? Enfin, ah oui, c'est 3h30 hein, de stream. Ah, j'ai pas enlevé les heures. Mais j'en ai marre, ils gagnent tout le temps au change avec leur histoire comme ça. Alors, tiens. Vous ne passerez pas. Bon, on va regarder la charte des coups parce que c'est un peu ridicule, on le fait en mode de... On fait pas du tout stratège. Alors, pochette. Important. Pochette, c'est poche. Voilà, donc contre les gens qui sont tristes, faut être énervé. Et contre les gens qui sont heureux, faut être triste. Et contre les gens qui sont énervés, faut être joyeux. Ok. C'est pas... Enfin, pour moi, il n'y a pas trop de logique dans l'histoire, mais peut-être qu'à la fin, on comprendra quelque chose. On a fait tout là, je crois. Je sais plus. Ah oui, j'avais dit qu'il fallait que je vérifie en bas. Ah non, mais c'est les chambres, donc c'est en bas. Les chambres, on l'a faite. Ici. Là, il faut que je vérifie en bas. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression d'avoir oublié un truc. Je sais pas où. Il n'y a pas de carte, donc c'est un peu compliqué. Ah, là, peut-être ici. Et là. Et là, on est allé. Ah, on n'est pas allé en bas. Ah si, c'est le cinéma. Là, on peut récupérer de la vie. On récupère de la vie, hein, ça fait toujours du bien au cas où. Ok, salut, bonjour. C'est par là qu'on regarde le cinéma? Bon, re-regardons le cinéma. Mais je crois qu'on l'a déjà vu.
C'est de la propagande. Alors attention les yeux. Parce que c'est de la propagande. Ah. C'est la même. C'est pas la même. C'est Miami Sweaters. Alors, je vais vous remettre l'avertissement. Bon. C'était bien, hein. Et je vais pas regarder une heure de ça. Eh bien, merci. Achetons des bonbons. Parce que j'imagine que c'est ça, l'histoire, après. Mon sweater, t'es là, hein, par contre. Merci, des popcorns, c'est super cool. Sweetheart. Je sais pas s'il faut discuter avec tout le monde, mais... Ah, c'est une poupée de Sweetheart, donc en fait, faut la trouver. Oh, mais elle est où? Elle est pas là. Faut la trouver, je crois. Ah oui, il y a la queue qu'on avait pas faite. Alors, attendez, bonjour. Est-ce que je peux passer? Bon, bah, nous, on va passer, on va frauder, hein. D'accord, j'ai plus de batterie, d'accord. Pardon. J'ai plus de batterie, façon de parler, moi, c'est 70 heures. Bonjour, je ne fais que passer, hein. Bonjour, je peux passer? Ah, ils sont tous invités, mais ils patientent. Bah, nous, on patiente pas. Ah, il y a un gâteau là, faut aller dans le gâteau. Bonjour, bonjour, au revoir. Bonjour le gâteau. Alors on va. Nous sommes ici pour pouvoir prendre le gâteau. Alors bit, je sais pas ce que c'est. C'est de la betterave? Je sais pas. Oh chier. Konga Island, trop bien. Mais du coup comment on fait pour Welcome to Konga Island. Est-ce que Omori tu vois une lettre ici? Parce qu'il n'y a rien d'autre. Non. Island. Qui pourrait nous aider? Personne. Et là, on n'a pas de bateau, donc... Bah, voilà. Pour plus tard, Konga Island, salut! La musique était bien. Je suis pour le Konga. Allez, salut! Ah. Ça m'a l'air tout... Ça m'a tout l'air d'être un thé empoisonné. Ah, c'est l'esprit de la tasse de thé. Oh, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses que les fantômes sont considérés comme du gaz? Je sais pas. Oh, comment il... Bon, c'est toujours un invité. Je ne sais pas ce qu'on m'a dit. Mais l'amour de Sweetheart est aussi bon que de l'or. Good, bad. Qu'est-ce que c'est que cette charte? Good rose, bad. Mais c'est quoi cette discrimination colorée? Bad, c'est turquoise, jaune, vert, orange. Je vais pas du tout. Donc faut prendre tout rose. I don't know what I've been told. Ah, attendez, il y a beaucoup de roses. Les autres, ils ont pas de couleur. Ils ont des couleurs, mais. Il y a beaucoup de roses. J'imagine que c'est rose qui est le plus important. Faut... Oh, j'espère qu'on fait pas le tri. Oh non, s'il te plaît, j'ai pas envie de faire ses culs. Bonjour. C'est simple, nous n'avons pas le temps d'admettre tout le monde. On va faire un ses culs, mon dieu. Et c'est juste que le show qu'on donne, on a sous-estimé la popularité de Sweetheart. Vous, servant avec ses têtes moches. Donc toi, t'es vraiment... J'ai pas envie de faire sécu... L'événement va bientôt commencer, mais il a un strict code. Il a un code très strict au niveau des fringues. Pas de basket à l'entrée. C'est vraiment important que l'audience est habillée comme les spécifications de Sweetheart. Donc tout en rose. Voilà, simple charte. Même les top pouces peuvent le comprendre. Oui, bah ça, on l'a vu. Il y a une perle, j'ai pas vu. J'ai demandé à beaucoup, à peu de d'invités de vous suivre et
Ah oui, pouvez-vous demander à quelques invités de vous suivre et les ramener à moi? On va y ramener les derniers. Ok. On n'est plus à sécu, on fait les VIP. Alors, du coup, on prend les roses. Hein. On commence par la fin, parce que de toute façon, dans les trucs comme ça, ils ne demandent jamais à la fin, mais nous, on prend la fin. Ta 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 ta. Hop, vous, madame, monsieur, Pink Mall. Oui. Mais j'ai dit oui. Non? What are you doing? That Scroot Mall is an distinguished guest. Mais pourquoi? Elle est en rose, non? Je comprends pas, faut que je commence par en haut. Dans l'ordre. Bonjour. Yes. Quoi? Mais en jaune? Ah oui, d'accord, en fait, faut que je jette les gens. Attends, je comprends pas. No. Ah, faut que je les escorte à la partie. Maybe you should leave. Ah, faut faire avec héros. Bon, ok. Bon, essayons en rose avec héros. Ce qui demande quelqu'un de plus charmant. Ouais, donc on doit les ramener à la sortie, ok. Bon, on commence par, par devant, du coup. Non, on va commencer par ici. Vous. Yes. Bonjour, cher invité. Please follow me. Oui, monsieur. Ok. Donc en fait, faut que je gère tous les gens qui ont pas... Ok, d'accord. Super. Parce que c'est pour ça qu'il y en a moins. Bon, bah voilà, on fait VIP. Hein. V6 Big Boys to Alpha 3. Quoi? Aboard the mission. Visit... Ah, ils essayent de faire un coup d'état prévu. Hein. Donc, pas les roses, hein. Que c'est ça, hein. Je sais pas où on les emmène, mais... Est-ce que je dois être dans la lune? Non, c'est bon. Ah oui. Bon, on prend tout le monde, hein. Écoutez, vous êtes pas dans la queue, mais venez avec moi. J'espère que ça va pas être horrible ce que je suis en train de faire. Je voulais juste voir mon enfant. Ok. Ça va être traumatisant, je sens. Oulala. 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 Voilà, j'ai pas envie de... J'ai pas envie. Pourquoi? C'est parce qu'ils sont habillés d'une autre couleur, quoi. Mon dieu! La présence est requise. Ok. Oulala. Donc là, on est vraiment en train de faire tout pour que Sweetheart, son événement, il soit bien, en fait. C'est quand qu'on la démonte? Parce que elle est vraiment pas cool, elle a un système un peu dictatorial quand même. Ah non, elle est royaliste, parce qu'il y a un château, j'imagine. Parce que c'est pas long. Hein. Bon. On sait laisser la porte ouverte ici. Monsieur, vous êtes en bleu. Madame. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il s'est accordé à leur nœud pape. Hein. You look like a clean, upstanding gentleman. Ok, génère propre, bah super, bah toi, on va te jarter. Voilà, bon maintenant, on a pris toute la ligne. Avancez, hein, maintenant. Je fais quoi après? J'imagine que je vais vers la sortie. Ce n'est pas vers la sortie. Est-ce que le chat vient me dire bonjour? Bonjour. Et tu es là, le chat? Non, il fait de... Bonjour, du coup, c'est pas du tout.
Je savais que vous aviez ça en vous. Maintenant, on peut se débarrasser de ces invités qui ne sont pas en rose. Garde. Oh. Mais non! C'est quoi cette police de la fringue, là? En plus, ça peut être pire, quoi, que... Et voilà, on a réussi à tous se débarrasser de tout le monde. Super. Ils ne verront plus jamais le jour. C'est génial! Génial! Je suis très, très content. Ce n'est pas du tout la discrimination. Je me casse. Oh non, j'avais pas vu. Donc, heureux, c'était triste. Non, c'était en colère. En colère. Bon, de toute façon, là, le but, c'est de les taper avec juste nos oreilles normales. Alors, attendez deux minutes, je comprends pas pourquoi j'ai pas tout dans le chat, je vois pas tout. Je vais essayer de regarder l'heure. Pour Aubrey. Ça m'a un peu cassé là de faire du bip là. Casser des trucs là. Ok, donc du coup ton main event il est où? Bon, j'imagine que c'est pas à côté du donjon, ça doit être dans la salle principale. Donc, ouais, bon. Je pense que là normalement on a tout fini. On a fait ici, on a fait à gauche. Hop. Oh non! Pas toi, mon pire ennemi, sur Maximus 3. Maximus, arrêtez-vous, imposteur, je sais qui vous êtes et vous n'êtes pas des topous. Vous me devez vous demander, bon, ok, c'est la même chose. Je suis le fils de sur Maximus 2, et l'arrière-petit-fils, le petit-fils plutôt de sur Maximus 1. Vous avez peut-être battu mon père et mon grand-père, mais ça a juste fait remplir ma rage. Et ma recherche de vengeance. Avec cette lignée de père et de grand-père de mon côté, je vais être victorieux. Et donc du coup là, il va nous faire un Sangoten. Oh là 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 là. Caméra père, fils, grand-père. Eh bien, bonjour. Vous êtes ici pour pouvoir essayer de faire un combo release énergie avec nous. On va voir s'il change d'émotion, s'il change pas d'émotion, on ne change pas d'émotion. Le but c'est de essayer de faire en sorte que Aubrey puisse quand même avoir de la vie à la fin, et qu'elle aussi. Donc on va essayer de faire en sorte que, voilà, eux deux puissent survivre. Donc on va lui faire un petit snack de 30, ça devrait aller pour toi. Et pour toi, il faudrait que tu nous manges un snack de plus 75, ça, oui, ça devrait être bon. Et hop, on continue les attaques. Allez, mangez bien. Allez, ouais, merci. C'était absolument mal calculé, mauvais calcul. Parce que il va nous faire un combo petit papa, grand papa, égale gros papa. On se voit un peu contre la patriarchie, hein. Patriarchie des tout-pouces, parce que c'est quand même tous les papas des papas, hein. C'est pas du tout redondant. Oh non, c'est triste. Le triste, c'était énervé. Faut qu'on soit énervé. Donc du coup, Kel, il faut que tu nous énerves. Hop, Kel. Ouais, mais si on utilise ton kill, est-ce qu'on peut faire un
Flick Hanger on a frame. Oh, bon, on va infliger ça sur sur la nourrie. Et voilà. Hop. Non, je ne peux pas laisser mon père et mon grand-père mort en vain. En fait, laissez-les dans la tombe. S'ils sont dans une tombe. S'ils sont venus à la Terre, c'est aussi bien, hein, laissez-les à la Terre. Bon, voilà. Non, attends. Peut-être pas qu'elle. Ils n'utilise pas ça sur eux. Attaque normale sur attaque normale. Ah, mais il est heureux, là. Ouais, il est méga vénère. Ouais, il est méga vénère. Ok. Oui, tu... Hein, on faut donner de la vie à quel? Alors, snack, hop, nachos. On va mourir avant qu'on fasse notre crise d'énergie, j'en peux plus de ce mec. Est-ce son max... Ah, c'est... Et bien entendu, le caméraman père-fils grand-papa. On l'avait venu venir. Parce que la culture du shonen... Il y a 50 en plus. Voilà, on mourrait dans le danger. Ok. On va y arriver. Faut juste que... C'est qui? C'est quel? Ok. Faut juste qu'il nous fasse un petit snack. 60%... Quoi? 60% de ta vie? Ah, on mourrait. Et on va pouvoir release. Allez, Omori. Voilà. Bim, bim, bim. Combo. Père, grand-papa. Je suis désolé. Non, il est mort avant. Non. Je suis choqué. J'avais trop bien préparé. Regardez, on est arrivé à 10. C'est super dur d'arriver à 10 déjà, wesh. Wow. Et voilà, on a Shun. C'est comme Senseiya. Moi j'ai jamais vu bien Senseiya. J'ai essayé de lire, je trouve ça chiant comme la mort. Mais bon. Moi je sais pas quoi vous dire, hein. Désolé, on aurait pu faire un super combo. On va pas faire. Il y avait pas un attroupement de top pouces à l'entrée de la dernière fois? J'ai plus l'impression qu'ils sont ici. Parce que peut-être qu'ils ont réussi à rentrer. Allez, suivons-les, Omori. On va aller dans les cuisines d'abord pour pouvoir se sauvegarder de la vie. Ah, ah. Ouais, fais-moi. Ah. Je suis choqué. Je suis traumatisé. Enfin, maintenant, pas traumat, mais... Ouais. De la vie, déjà. On va sauvegarder again. En fait, ça m'énerve de pas pouvoir faire ça. Ils sont tellement... En fait, logique, enfin, il y a que avec l'ours qu'on a réussi à bien le placer, ce truc-là. Bon, allez, hop, on re-sauvegarde dessus. Avec l'ours qui était à côté de l'étang, là, qui était clairement pas le chemin qu'on devait prendre, j'imagine. Qui nous a bourriné. Et on arrivait enfin à faire des releases énergie un peu souvent. Mais là, j'imagine qu'il faut aller tout droit maintenant. Ok. Ça on dirait des rivières de sang, c'est l'enfer. Allez, la suite. Oh oh oh, on a enfin réussi à sortir du château de Sweetheart! Je suppose que la son est un peu fort peut-être, je sais pas pour vous. Je vais baisser un peu. Ah! Voilà. Est-ce que c'est mieux? Non. Je vais mettre à 12. 12, voilà. En fait, le son, normalement, il devrait être bon, hein, parce que moi, je tape dans les rouges, et le son tape dans les jaunes. Enfin, vous savez, c'est vert, jaune, rouge. En fait, en général, pour pouvoir être sûr de son son, j'essaie de le mettre dans les jaunes
et éviter d'être dans la saturation. Donc là, on est entre le rouge et le jaune pour ma voix. Et le son, normalement, est entre le vert et le jaune. Donc, normalement, ça devrait être bon. C'est que ça fait quand même 6 décibels de différence, quoi. Je me demande si ce grand événement que tout le monde parle est fini. C'est étrange, je ne vois pas de top pouce à l'entrée. Oui, bah, de toute façon, j'ai bien compris que c'était un sacrifice, hein, dans son histoire. Si c'est pas ça, c'est que je j'ai mal lu entre les lignes. C'est soit un sacrifice, et on va devoir se battre contre elle pour sauver tous les top pouces, soit il faut quand même la battre pour pouvoir sauver les top pouces, parce que c'est vraiment de l'esclavage, presque. C'est même pas presque, c'est même sûr. Où sont-ils partis? Ils ont dû partir par la sortie. Il doit y avoir une sortie cachée quelque part. Appuyons un peu partout, ce qui a l'air un peu chelou. Ok, on appuie sur tout. Non, on va aller là, parce que j'ai vu un bouton. Ah, un labyrinthe. Ah! Quoi? On a été blessé par quoi? Ah, le truc rose, là! C'est un laser, ok. Le cœur est un laser, ok. Alors, ne pas toucher le sol, hein. C'est quoi, ça? Là, il y a un laser, donc on va passer par ici. Ok. Voilà. Là, il n'y a pas de laser. Donc, ça, c'est quoi, ça? Ah, ça, c'est pour Kel. Kel, tu peux faire quoi d'ici? Super. Il a loupé. Mais tu ne vas pas réussir à faire tomber des choses comme ça. Est-ce que tu essayais de viser pour une fois? Viser? Je peux faire ça? Bien sûr. Même toi, tu peux viser. Ok, je vais essayer. Vas-y, essaye. Donc c'était pas de ce côté-là. Ah oui, peut-être qu'il faudrait... viser de ce côté-là. Ok, on a eu sa tête. Super, on avance. Je sais pas pourquoi on... Ah oui, c'est parce qu'on a des présentoirs ici. On va avoir les deux, hein. Hop. Celle-ci d'abord. Et on recommence. Et celle-ci ensuite. Voilà. Ok, merci Kael. C'est super cool de ta part. On peut casser ça ou pas? Attends, je vais changer avec moi. Vite. Pour voir si on peut casser le vase. Non. Par contre, il y a une pastèque ici qu'on peut casser. De la limonade. Super. Super. Non, il n'y a rien. Le bouton. Ok. On va sans doute se faire charger par là. Ah, mais c'est encore Maximus premier du nom. J'en peux plus. Êtes-vous sur Maximus? Brian le distingué. Faites attention à qui vous menacez. À ce que vous faites, vous êtes en présence de l'élite de Sweet Earth. Je garde sa sagesse dans ce château avec Marvy. Ok, c'est bien. Bah écoute, t'as pas du tout l'air perdu dans un labyrinthe. Hein. Ah, oh non, ils sont trois. Ils sonnaient sur. Donc c'est un. Mori parti. Ok. Alors, il y en a un qui est triste, donc il faudrait quelqu'un d'énervé. Et un qui est joyeux, donc il faudrait quelqu'un de triste. On va commencer tout de suite comme ça, on va voir. On va mettre Aubrey, parce que c'est une bourrine. Mais on va attaquer. Ah oui, mince, j'ai oublié de transformer quelqu'un d'énervé. Ok. Voilà. Les jeux d'émotions. Mais en fait, la joie, c'est... Non, la joie, c'est... Mince, je me suis trompé. La joie, c'est l'énervement, mais du coup, j'ai... Ah, bah ouais. Bah, merci d'avoir énervé, hein. C'est chiant. On va taper le... toi, t'es joyeuse, hein. Tu vas taper le... Tu vas taper lui. Voilà, on essaie de voir, je m'en rappelle plus exactement, combien de points on va gagner, là. Tu,
Allez, on fait un combo. Wouah, 119, bam 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 bam. Allez, attack again. On est dead. Ok. Coup de tête, coup de poing, coup de... 1267, ok. 20. Et il a... Et Aubrey a pris wind up throw. Donc du coup, ça veut dire que... Elle jette quelque chose. Ah, héros a pris captivé. Ok, bon, on va regarder. À quoi ça sert. À quoi ça sert, vos skills, les gens. Alors, wind up throw, alors ça fait des dommages à tout le monde. Qui sont ennemis. Deal plus de dommages, moins il y a d'ennemis. C'est pas mal, parce que ça veut dire s'il y a une personne... pas mal. Et captivé, il agit premier. Et tout le monde vise... comme ça, ça m'énerve en fait. Ça c'est pour faire des tanks, et le problème c'est que j'ai pas envie que Hero soit tank, vu qu'il est heal. Alors tank, heal, tout ça est du RPG. Si vous ne connaissez pas les brailles, je vous conseille de checker... Enfin, je vous conseille, je sais même pas ce que je pourrais vous conseiller de checker. Je vais vous expliquer. Tank, c'est ceux qui vont en première ligne. Et qui vont essayer de faire en sorte que l'attention soit sur... Ouais, là, il y a personne, excusez-moi. Sur cette personne-là. Donc, il faut beaucoup de points de vie. Et des moyens de combattre, de défendre aussi. Le heal, c'est un peu la base, c'est justement les gens qui ont besoin de survivre avec de la vie. Donc c'est un peu plus complexe que ça. Parce qu'ils ont très peu de vie, mais en général, c'est eux qui font revivre tout le monde. Donc en gros, ils sont moins au contact que les tanks. Je sais pas si j'ai été très clair. Après, il y a des mids et compagnie. Les mids, c'est moitié-moitié. Super busy, standing here. Alors, j'ai été vraiment très occupé à être ici. Est-ce que je peux vous aider pour quelque chose? Mais non, en fait. Au revoir. Donc, en fait, on fait juste ça. On appuie sur des boutons. On fait juste le tour. On appuie sur tout, en fait. C'est vraiment, comme on a dit. C'est quoi, ce cheval? Ce cheval à deux pattes, là, il fait peur. Bonjour, vous êtes un cheval ou un... Ou un loup? C'est quoi? Déjà les top pouces c'était compliqué. Le cul d'un cheval? Ok, alors du coup on va... Et la tête du cheval? On va taper le cul, hein. On tape le cul et hop. On va taper tout le monde en même temps, parce que je suis dans l'incompréhension. Tape le cul, tape le cul. Ah, 24 quand même. 13. Le cul, il tape aussi ou pas? Voilà, plus de cul, qu'est-ce que tu vas faire? Ok, ok, bon, allez, bim, 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 bim. En fait, je devrais pas jouer en neutre, je vous montre pas du tout du jeu. Je fais que jouer au jeu de manière très linéaire, je trouve. En vous enlevant le passage stratégique. Et depuis quoi il est énervé Il est énervé vite en ce moment, notre cher héros. Non, t'es censé commencer le combat avec en étant heureux. Ils te mettent tout le temps en énervé, c'est très étrange. J'ai l'impression qu'il se focalise un peu sur toi depuis que Sweeter t'a déclaré ta flamme. Sa flamme. Ah, on peut récupérer de la vie ici. Excusez-moi, bonjour. Je viens prendre le thé. Ok. Bon, on prend le thé avec, avec les thé-pousses. C'est cool. Bon, bah, c'était bien. Moi, j'imagine que c'est la statue, mais... On dirait que c'est pas ça.
Donc on fait tous les labyrinthes et après on vous dit. Bonjour, Kel. Ah, mais t'étais là, le chat-chat ? Je savais pas que t'étais là. Je croyais que t'étais parti, moi. Comment ça s'habitue à ça, hein ? Hop, 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 hop. Alors, les oiseaux, je sais pas qui est fan des oiseaux, mais en tout cas, c'est pas... ça a pas l'air d'être... Kel. Ah ! Fallait que je descende. Mince. Je sens qu'il faudra qu'on refasse les mondes et tout. C'est pour ça qu'il y a les oiseaux là. J'ai pas envie. C'est un truc que j'aime pas dans les RPG, c'est revenir au même endroit où t'étais déjà. Les role-playing games. Et là, si j'utilise le mushroom, est-ce que je peux sauter? Oui, on va manger ce mushroom. C'est toujours manger un mushroom dans les trucs de fiction. Jamais dans la réalité. Mushroom, c'est les champignons, hein, bien entendu, je traduis. Ah. Bonjour, monsieur champignon. Est-ce que vous appelez Todd? Ah, il est un peu... Salut, G-Shroom. Eh, vous, les bulbeux, vous. Vos yeux. Tell me... Dites-moi... comment vous avez appris à apprendre. Excellent, excellent, excellent. Je vais vous apprendre. Venez. Fait flipper. Un bulbe dur. You can hear something struggle inside. Il y a quelque chose à l'intérieur. Ok. Vous n'avez pas là, cette étoile dans les yeux. Je veux apprendre. Alors lui, c'est lui qui a l'étoile dans les yeux. Il est tellement dans la neutralité. Ouais, vous êtes venu, excellent. Maintenant observe ce bulbe dur, like the one, comme celui derrière moi. Il renferme quelque chose. Une créature. Mais malgré tout, vous n'êtes pas habilité à vous échapper par vos propres moyens. With a very intricate and cutting technique, one will be... Alors oui, il faut couper, quoi. Ouais, je vais prendre une pause, là. Après qu'on ait fini ça. This technique take years... Alors, c'est... Ouais, ces techniques prennent... Bon, vas-y, on a compris, on va couper. On va couper la queue, ok. Super. Excellent, excellent. Faire une pause tout de suite, attendez. On va faire une pause tout de suite. Je vous laisse 2 minutes.
pas fini mon café, je reviens encore un peu dans 5 minutes. À l'avenir, je ferai moins de temps de pause. J'essaierai de calculer mieux. Café. J'ai perdu mes lunettes. Ah non, elles sont dans ma poche. Ok. Café égal. J'ai mis 15 minutes en tout. Du coup, 15 minutes. Moins 2, ça fait 13. Donc ça fait 13 minutes de pause. À l'avenir, j'enlèverai. J'enlève la pause. Hop, je remets la cam. Hugues. Et on est reparti. Parce que je veux absolument, en fait, je vais m'arrêter de m'en parler trop longtemps, mais... Histoire 2. Grosse discussion pendant le café. Sur le vote. C'est le jour d'élection, hein, si vous ne savez pas. Voilà. Alors, Excellent, vous avez grandi si vite. À la différence de ce bulbe. Ok. Maintenant, coupez-le avec votre super technique. Donc, j'imagine que voilà, on a un couteau. Oh, enfin, je suis libre. Excellent.
Tenez ceci. En tout cas, c'était son esprit. C'est un cadeau pour moi. Dent des lions, bah c'est bien. C'est encore un truc que je peux utiliser en combat. Ok, c'est comme dans Mario, on fait ce qu'on veut, on saute sur les trucs. Ok, et on reprend un mushroom. Bon, faut avancer, j'en peux plus de Twitter, moi, personne. Donc le bouton, voilà. Je pense qu'on va reprendre Kael. C'est bon, on est passé là, en fait. Ok. Bon, il y a encore un garde qui ne sert à rien, on va y aller direct. Le son est bon, tout est bon, j'ai l'impression que tout est bon, oui. Voilà. Ah, en tant que estimé élite, j'ai un code spécial à cacher, mais vous ne devez pas savoir. Vous devez le savoir. Bon. Ah, c'est bien, t'as un cadeau, t'as un... C'est quoi qu'on enlève nos masques, nous, parce que... Ah, mon dieu, c'était pas par là. Est-ce qu'on peut l'éviter, lui? Je crois pas, on va devoir le taper. Bonjour. Oh, ils sont trois. Oh, ils ont lancé un 5. Alors, il y en a deux énervés, donc il faudrait que je sois... Tout le monde est triste. Allez, tout le monde est triste. Tout le monde est triste tout de suite. Surtout Omori, parce qu'il faut pas qu'il meure. Je vais mettre un headbutt au joyeux, là. Je vais énerver tout le monde. Et on va énerver jusqu'elle. Et bah du coup, toi, t'es heureux. On va utiliser contre lui. On va essayer de faire un peu le strat, maintenant. Coup de tête sans, bam. Qu'est-ce qu'il a donné? Ah, il a envoyé heureux à... Elle est extatique. Ah oui. Il faut tuer ce magicien. C'est lui qui a lancé du feu, quoi. Voilà, hop, ça s'est fait. C'était qui? Je sais pas vu. Mince. Oui, de toute façon, on a plus de défense quand on est triste, donc ça va. On va taper lui, parce qu'il est énervé. Et je crois que c'est Omori qui va pouvoir faire le travail. 66 en étant énervé. 63 en étant triste. 66, mais c'est plutôt égalitaire. En fait, je comprends pas la strat des trucs, je ne comprends pas. Mais bon, on va voir. On a failli arriver à 10, toujours pas. Tofu, again. Salut, bonjour. Ah, tiens, une trappe. Bah, peut-être qu'il faudrait qu'on descende tout à l'heure. On va descendre tout à l'heure. Hop. Ah oui, excusez-moi, j'avais pas vu que vous étiez là, madame le cœur. Ouah, j'en peux plus de ce château, c'est le château de l'enfer. Ok, ok. Donc en fait, le truc nous permettra de ressortir plus rapidement. Purée. J'aime pas les dédales. Bonjour. Protéger le passage, le mot de passe secret. Est une tâche ardeuse. Peut-être que un jour, des jeunes taupes vont porter ce même problème, cette charge illustre de l'élite. Ok, super, merci, salut. Donc on a toujours pas le mot de passe, hein, mais j'imagine qu'on l'aura un jour. Alors nous, on descend par ici. J'imagine qu'on arrive du côté de Marie. Ouais, c'est ça. Et voilà. Et du coup, on se dit bonjour. Oui, on va faire un pique-nique ensemble. Oui. Tout ce qui en coûte, c'est ton amour. C'est quand même bizarre. Hein. Oui, mais... Ah oui. C'est pas toi qui dois manger ça. Ok. Et Omori, il aime tout. Donc ça va, c'est bon. Oui. On veut de la vie, nous. Mais du coup, là, il y a... Attends. Est-ce que ça veut dire que Kael ne prend pas de la vie? Ah non, il mange. Oui, on sauvegarde.
Donc c'est Omori pas Obrey, la prochaine fois on s'en rappellera. Excusez-moi, hein, la bouche pâteuse du café. Hop, 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 c'est pas grave. Ah oui, il faut couper, moi, ouais, moi je coupe. On peut rien faire ? Je peux faire un truc, genre ? On va changer. Là, on l'a vu, hein. Avec Aubrey, on l'a vu. Là, on l'a pas vu. Pourquoi Aubrey, on l'aurait vu ? Et pourquoi pas Omori ? Très étrange. Et là, on peut pas couper. Excusez-moi, Oh, 20 ! Mais vous êtes sérieux ? Donc lui, il est heureux, faudrait qu'on s'énerve. On va taper le cucu. Ah, elle est énervée. Très bien. Ah ! Bon, ouais. On fait une attaque à l'heure encore. Allez, hop, double attaque. Coupage de cucu. Je parle plus bas, j'ai l'impression, excusez-moi. Hein. Faut que je parle un peu plus fort. Poum, poum. Voilà, plus de cucu. La tête maintenant. Thérèse et ses flèches. Voilà, elle fait énormément de mal. Allez héros, s'il te plaît. Dis-nous qu'on peut aider. On peut pas aider. Oh, bref. Day. Eh bien, écoute, on va taper du cucu et du 4 tête. Voilà. Skill. Cook. 75%, c'est très bien. Allez. Non ! Non ! Non ! Hop. Je fais les non-non de... Des shonen. Il est dur. Bam. Elle est dure, Thérèse. Ok. Bah du coup t'as distribué tes cookies quand même. Oh là là. Snack. Il nous faut du. Quoique en fait si elle est juste toast, ça devrait aller. Est-ce qu'on va aller voir Marie du coup? Parce qu'en fait je sais pas exactement comment on va se débarrasser des vignes du coup. Parce que j'imagine que c'est ça. Cheese wheel. Pizza slice, tofu. Ok, il y avait du pipi. Mais attends, mais ça veut dire qu'il y avait des gens qui voulaient me taper ici. Bon, on va voir Marie pour Aubrey. Pardonnez-nous. Attends, on fait que passer. Merci. Après, c'est les pickles, c'est... Ouais, c'est bon. Ok. Les pickles, c'est... C'est un truc que j'aime pas trop, en plus, donc... Je ne sais... Bon, ah oui, c'est lui, le cheval, là, qui m'a attaqué. Comment on fait? Bon, allons voir elle. Une impressionnante statue. Il va soulever encore, c'est la toupousse qui était tout à l'heure. Ah, c'est un méchant. Alors... beautiful, hein. De toute façon, c'est toujours un sweater, donc... Flamingo? Size. Ah, j'ai pas cliqué, j'ai pas vu. Pas ça. Bon, ouais. Ça fait combien de vies, ça? Ah. Je l'ai fait un peu au pif. Alors, du coup, compliqué. Il faut aller voir, je suppose, les quatre et rediscuter avec eux. Mais je sais pas qui... Oh là là. Bon, allez. Je pense que c'est avec Hiro. On va aller voir avec Hiro. On va tester avec celui qui est le plus proche. Des gardes élites, là. Hop, lui. Hop.
quel speedrun. Alors du coup, Omori. Comment... Quoi ? L'illustre. Alors, something tasty off white on cubish may change my... Ah, c'est pour ça qu'on a du tofu. Eh bah oui, on va donner du tofu, voilà. On va avoir grâce au tofu. C'est pour ça qu'on a gagné autant de tofu. Excusez-moi, j'ai pas traduit, mais grosso modo, il essaye de... Le con. C'est Carole, Carole. Excusez-moi, j'ai dit il, elle, du coup. Sweet, ok. Alors, allons voir l'autre. Il va être là un peu. Je veux pas. Mais non! Ah! Je veux pas un combat avant qu'on se retrouve face à la statue. Par là. Du coup. Donc, sweet. Oui, il y a 4 passeports. Oui, il y a pas 4 mots de passe. Oui, je veux savoir le mot de passe. Oui, je suis désolé, je ne peux pas vous le dire, mais j'ai du tofu, donc tu vas en prendre. Oui, j'en ai besoin. Oui, j'en ai beaucoup besoin. I guess I have no choice. Oui, tu n'as pas de choix. Pinky swear on it. Yes. Je pinky swear on it. Donc, pas de tofu pour vous. Je suis désolé. Untrustworthy. Link, donc, baisse-toi. Sweet est rempli. Donc, ok. Field. Sweet field. Ok. Tu veux bien passer qu'on puisse sortir. Merci. Un de l'autre côté. Ok. Toi. Oui. Bien sûr, c'est la même chose. Oui. Potential spy, bien sûr, on est un espion, bien sûr. Tofu, je te donne du tofu. Ok. Jelly, sweet, feli, jelly, donc ok. Sweet, feli, jelly. Je veux pas mal le... C'est du franglais. Ah, vite, avant qu'il arrive. Ok, c'est bon, on est passé, on passe en bas. Ok, et du coup, sweet, feli, jelly. Je fais... En fait, c'est marrant parce que pour ce genre de truc-là, je fais pas fonctionner ma mémoire. Du moins, je pense que la mémoire courte, du moins. Je pourrais pas vous le répéter dans 10 minutes, mais... Donut. Sweet, feel, G, donut. Ok. C'est pas très bon, je pense, comme truc. Ouais, bah d'accord. Ouais. Ok. On s'en... Oui, mais on s'en fiche, en fait... Je lis même pas. Oui, bah voilà. Oui, bah t'aurais pu, j'avoue, t'aurais pu vivre des histoires d'amour avec plein de personnes. C'est cool. Sweet Field Jelly Donut. Ok. Vous êtes prêts? Et voilà. Et maintenant, ma mémoire le jette, si je m'en rappellerai pas dans 10 minutes. ok. Ok, c'est bon. Merci. Merci. Merci, statue de l'enfer. Et du coup, on va arriver... Voilà, c'est les cadeaux. Oh, il y a une lettre. Cher Sweetheart, je vous aime tant. Essayons d'avoir des enfants et passer le reste du temps tous les deux. Life together, il écrit. I would like. J'aimerais ça énormément. Merci. Oh, il y a plein de petits cadeaux. C'est quoi ça? De la peinture. Oui, bah, au vrai, donne-nous de l'argent. Parce que ça va être de l'argent, j'imagine. Et là, on va se taper le boss, hein, j'imagine. Le père du grand-père, j'espère pas que c'est lui.
J'espère que c'est juste Sweetheart et qu'on puisse enfin passer à autre chose. Il était long, hein. Ah, il y a l'ours, mince. Il y a des pickles. Oui, on va prendre de la vie, du coup. J'entends au fond le mariage. J'espère que c'était pas juste l'appréciation du mariage par la suite et qu'on va pas enchaîner avec le mariage de Hiro, ça serait bien. On va tout casser. Ah, encore une histoire. Ouh là là, y a, ça a l'air de... 30. Je vous ai beaucoup aimé depuis le premier moment, depuis que j'ai posé les yeux sur vous. Soyez mon mienne. Forever. Ok. Ok. Il y a des jelly gums par terre, mais j'imagine qu'il essaie de faire passer son... comment ça s'appelle? Les bonbons. Alors, attendez, on va reprendre Omori. Qu'est-ce qu'il va nous dire, notre... Mais... On peut pas vous avoir, monsieur? Comment on va faire pour aller vous voir? Ah, si. Ah non! Donc il est énervé, je m'en rappelle plus ce qu'il faut faire. Quand il est énervé, faut qu'on soit triste. Allez, hop. Tout le monde triste. Et on attaque. Bon, vas-y, tout de suite, Team Spirit. Vas-y. On va tester en étant heureux. On fait des combos direct parce que on n'a pas que ça à faire. Il est archi vénère en plus, le ours. Mais protège-toi, oui. 89. Waouh. Donc. Voilà, une critique direct. Tête dans ta tête. On va utiliser tout. Voilà, ricochet. Ouais, on va utiliser le cook pour... ouais. Voilà. Ouh. Aïe, aïe, aïe. Allez, Aubrey, restons vite. Le stab, il fait toujours mal. Voir. Ah tu... Ah ça, ça... Elle prend un coup aussi. Ah c'est, bon, c'est pas mal du coup que j'ai utilisé tout. Ouais. Du coup le headbutt, j'avais pas qu'on pouvait prendre un coup du coup. Elle est happy. Stronger when Aubrey is happy. Ah oui d'accord. Bah... Ah il est mort. J'avais pas vu, il a plus de vie. Eh bien écoute, on attaque normalement. On va juste utiliser le cookie sur Kel, histoire qu'on est au chaos de la vie. Ah mais il est fini là. Ouais. Allez, le coup de Kel était vénère. Mégaphone. Ah oui, ça veut dire qu'il va énerver tout le monde. Oulala, ça va être génial. attendez. on va prendre Mégaphone tout de suite. Oh, on a gagné un teddy bear. Sweetheart, you are my queen. Vous êtes ma reine. Je vous aime et vous apprécie. J'apprécie tout ce que vous faites. Merci. Ok, on va tout de suite mettre sur Kel le mégaphone. On va changer All Friends, voilà. Angry. Et ça, c'est cool. On va tous pouvoir être vénères, sachant qu'en général, ils sont un peu tous heureux, en plus. Enfin, ou tristes, je sais plus. En tout cas, ils sont rarement, rarement énervés. Bon, là, il y a de la sauvegarde, là, il y a de la vie. Il n'y a pas Marie. Étrange. J'ai l'impression qu'on va arriver en plein milieu de la cérémonie, ça va être l'enfer. On est revenu dans le théâtre. Ah, j'avais pas vu le... C'était caché ou pas? On a enfin réussi à sortir. Qu'est-ce que c'est que toute cette décoration? On dirait que quelqu'un va se marier. Le show va commencer. Cachons-nous. En plus, on n'est pas en rose, hein.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui est un moment, une occasion incroyable. Après 42 saisons de Sweet Earth, la quête des cœurs. Ce n'est maintenant le dernier épisode. C'était vraiment génial. Merci tous d'avoir suivi. Like and subscribe, comme on dit. Petite 1 et abonnez-vous for as long as we have been on air, donc depuis qu'on a été en direct, on a rigoureusement regardé notre parfaite Sweet Earth, et à chaque fois malheureusement Sweet Earth n'a pas trouvé son amour, mais cette fois-ci nous croyons avoir vraiment fait tout trouvé. C'est le moment que tout le monde attend. L'histoire commence maintenant. Allez, baissez les lumières, s'il vous plaît. Dim's light. Le dernier épisode commence. Et maintenant, on commence le mariage direct. Waouh, ça va vite, hein. Elle se marie avec combien de personnes aujourd'hui? Please welcome to... Alors oui, il est le perfect suiteur. Donc c'est qui? Avec qui elle va se marier? Parce que si c'est pas héros, hein, cette fois-ci, qu'il lui a dit non. Ah, c'est peut-être la feuille qui veut tuer tous les lapins. Mais c'est Sweet Earth? Elle se marie avec elle-même? Oui, c'est vrai! Vous avez tout vu! La réponse était bien évidemment... La magnifique et... Sweet Earth! Elle se marie toute seule, c'est bien. Avec, elle se marie toute seule! Son rire est horrible. Ça fait mal de ouf. Silence! Bah c'est bien. Treat yourself, comme on dit. Commençons la série. La cérémonie. Bon, la série. Chers bien-aimés, nous sommes ici réunis. Non mais qu'elle rigole pas, c'est bien. Elle se marie elle-même, c'est si nul, mais qu'elle rigole pas. Je me sens vraiment mal pour elle, dit Aubrey. Arrête, c'est vachement cool. Est-ce que quelqu'un a une objection? Parlez maintenant ou taisez-vous à jamais. Comment on peut connaître autant les cérémonies de mariage? C'est pas possible en fait. Dans ce cas... Le pouvoir qui m'est investi, je vais maintenant me prononcer. Sweet Earth and Sweet Earth. Vous pouvez... I object? Quoi, Space Boy? Non, il est pas venu. Arrêtez ce mariage maintenant. Non, pas Space Boy. Non, Aubrey, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Ne fais pas ça, Sweet Earth. Ce mariage est une... S'aimer, c'est bien. S'aimer soi-même, c'est bien. Mais ça va un peu trop loin. Mais laisse-la se marier toute seule, wesh. Pas toi encore. Comment vous pouvez encore marcher sur mes pieds comme ça? Garde, garde. Souter, tu fais une erreur. Tu ne peux pas juste te marier toute seule. Il y a quelqu'un qui t'attend quelque part. Je sais. Non, bah alors, non, pas forcément. Alors cette histoire-là, c'est peut-être plusieurs personnes, hein, on sait jamais, hein. Oh là 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 là... Oh ouais, qu'est-ce que tu fais? Oui, qu'est-ce que tu fais, en fait? Attendez, j'ai mis ce clic, là, je peux plus cliquer? Qu'est-ce qui se passe? Bah... Pourquoi c'est bloqué?
Qu'est-ce qui se passe? Attendez, attendez. Je vais faire la technique du je déconnecte la manette, je reconnecte la manette. Ah, il a. Ah là là, Aubrey, je suis choqué. C'est bon là, t'as reconnu la manette? Ah voilà. Là. Elle va encore nous envoyer au donjon. Oui, c'est vrai ça. Tu ne comprends rien, les fans de héros. Ne comprenez rien. J'étais une jeune princesse, hein, une fois. Mais moi aussi. Il y avait quelqu'un pour moi, dans l'univers. Ah, j'ai aussi pensé qu'il y avait quelqu'un, mais c'était dans le passé. Non, en fait, laisse-la. Au vrai. S'il te plaît, laisse-la. Je ne crois plus en le véritable amour. Je n'aimerai plus personne à nouveau. La seule personne que je vais aimer maintenant, c'est moi. Et bien, c'est bien pour toi. Sauf que c'est un peu dictatorial et compagnie, hein, propagandiste en puissance, hein, ce que tu fais, mais... Auprès des top pouces, hein, spécifiquement. Auprès de toi, ça a l'air d'être cool. Saisis, laissez-la. Héros. Je ne crois pas que c'est une bonne idée. Héros. Oh là là, héros. Sweetheart, écoute-moi. Tu n'as pas besoin de faire ça. Mais vous faites une coalition, là? Qu'est-ce qu'il y a? Se pourrait-il que... Héros. Mon héros est venu. Non. Oh, mon doux héros. Je ne savais que tu ne me laisserais pas toute seule. Est-ce que tu as changé? Est-ce que tu penses que tu vas revenir sur les mots que tu as dit? Même si c'est fini entre nous, mon cœur n'a pas encore oublié. Oh, non, mais je sais même pas comment c'est, j'ai envie de te dire. Je vais te donner une dernière chance. Waouh. Marie-moi, héros. Ici et maintenant. Fais ça et je laisserai tes fans vivre. Alors, quoi? Je ne peux pas faire ça. Alors, et voilà. Et voilà. Vous aurez dû la laisser se marier toute seule. Qu'est-ce que c'est? Tu m'as encore jeté? Mais comment se peut-il? On va devoir se taper contre Sweetheart, là. C'est obligatoire. Je sais pas pourquoi, mais c'est obligatoire. Je ne comprends pas. En fait, laissez-la tranquille. Elle se marie toute seule, là. Oh, le rire dans les oreilles. Oh, dans les oreilles. Oh. Ok, maintenant, tu l'as fait. Oh oui, je vois les choses claires. Je vais admettre. J'avais tort, hein, héros. Je pensais que tu étais un bon compagnon, mais... Tu es juste jaloux de moi. Comme tout le monde. Ouais. Ça doit être ça. Mon incroyable... apparence. Mon sourire charmant. Ma personnalité grégaire. Quoi ? Ça peut être si difficile pour toi de rester en ma présence. Il n'y a pas de raison de désespérer. Je vais en finir avec ta souffrance personnellement. Ah ouais, ça y est. Donc elle va essayer de terminer. Héros. Ok. Ah oh là 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 là. Ouh là là. Je crois qu'elle a sorti le. Comment ça s'appelle le. Truc de. Le bâton là de. Des Sailor Moon là, des Sailor. Des... C'est le bâton là, c'est le bâton qui permet de se transformer. A plus, misérable pauvre. Ouh, non, c'est plus le truc dans Kibi. Comment ça s'appelle déjà? Une masse. Je vais vous enfermer dans le donjon pour toujours. On n'a pas le rire, j'espère qu'elle va pas rire. Ah, elle est en forme de cœur, c'est rigolo. Elle est énervée, elle est triste, qu'est-ce qui se passe? C'est rose, là, partout. Par contre, les aigus, s'il te plaît. Respecte nos oreilles. Eh bien, écoutez, en skill, hein, écoute, on va taper. J'imagine qu'elle est énervée. Elle est pas jalouse, donc du coup, c'est un peu compliqué, là, Team Spirit.
On va rendre le héros très heureux et énerver tout le monde. Voir ce que ça donne. Et on va taper. Hein. Je crois que ça augmente l'attaque. Le fait d'être énervé. Ça a l'air. Oh, la musique de Dance Dance Revolution, ouais, c'est incroyable. Incroyable. Ah, le son il est tout le temps à don. Peut-être baisser. Hein. Ah, Team Spirit, on peut plus le faire. Ok. Tu peux énerver encore tout le monde. Je vais baisser le son. Ouais, c'est parce que ça tapait trop là. Ah, elle est heureuse. Ouais, mais nous on est tous énervés, donc est-ce que ça va fonctionner? Oui, ça a l'air. Ah, ils sont enragés, j'avais pas vu. Eh bien, on va taper 3 fois, écoute. Ah, j'ai plus de jus. Ok, c'est pas grave. Ouais, bon, toi, de toute façon... Oulala, je suis pas sûr que héros et compagnie sont en bonne posture. On va sans doute mourir. Ah, on est furieux. Oulala, Omori est dans un sale état. Il a une tête qui fait flipper. On va arrêter de s'énerver. Oh. C'est... It's pointless, you fool. Ah, on gagne plus de points en faisant des bonnes attaques. Et heureuse encore. Et nous, on est... Ah ouais, non, mais là, on est en... On va sauver Kel d'abord. J'aurais dû sauver... J'aurais dû sauver Aubrey. Elle faisait plus mal. Ah, c'est rien, ça. Eh bien, écoute... Hein? Prends un snack. C'est ça, c'est... Ouais. Pareil, prends un snack. 175, ça sert à rien. Nous, il nous faut du juice pour... 100 de juice, non. 35, 25... 50. Non, il en faut plus. 75. On va prendre de la limonade. Elle a tellement de vie. Ouh. Waouh. Ça fait mal. Bon, on va attaquer encore. Hein. Même dead et furieux. On va perdre salement. Du coup, heureusement qu'il est toujours en vie. On va essayer de faire un truc. Il nous faut de la vie en max. Peut-être pas... Si. Je sais pas... En fait, je sais plus qui attaque en premier. On va essayer. Je sais pas, j'en ai combien, en fait. C'est ça, en fait, la question. Combien j'ai de cheese wheel? J'en ai 2. Donc si ça foire... ouais, c'est pas grave. Homemade gem. Bring back a friend that is toast. Alors, il nous faut Aubrey, par contre. Allez, allez. Oh non! Ah! Oui, tu es à la moitié de ta vie, c'est pas très cool. Attendez, on va faire chercher le live jam, là. 2 minutes. Voilà. On a besoin de... On a quand même besoin de... On va jamais y arriver. On va pas se retrouver dans le donjon. Hein. Ah ouais, on va essayer, oui. On va essayer. Oh, s'il te plaît. Ah oui, d'accord. Du coup, en mode vénère, on tapait plus fort. Chez Aubrey.
Mais du coup, il faut, je pense que si elle nous... Si elle, en fait, le truc, c'est on va continuer à attaquer comme ça. On va voir. Et on va énerver direct pour voir. En fait, faut qu'on fasse des attaques un peu... histoire qu'on voit ce que ça donne, déjà. Parce qu'on tapait fort, hein, quand même. On a fait pas mal de trucs. 47, c'est pas suffisant. Non, ça, c'est elle qui donne. 92, c'est pas mal. Plus de vie aussi. Faut que je donne plus de vie. On baisse sa défense. Ok. Ok. Ça augmente pas du tout, là. Ok, tu prends trop cher, en fait. On sauvegarde Kael. Bon, là, il nous faut une petite... hop. Cheese wheels. Hop, on réattaque. Est-ce que je peux lui faire baisser encore un truc? Par exemple, si je... Ah, mais elle a pas de... Ok, bon, on fait baisser ça, tout son truc. Ok. Bon, ça c'est bien, on est revenu à zéro. Wouah, il met des claques. Là, elle est heureuse. Donc du coup, il faudrait tous qu'on soit malheureux, mais c'est compliqué, là. Bon, je vais déjà le faire sur moi. Enfin, sur moi, sur moi. Et on va essayer de sauvegarder Kael tout de suite. Il faut qu'on cook un truc. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va avoir besoin de ça, mais peut-être pas tout de suite. On continue à lui faire baisser sa défense. Wow, ça allait très très vite. Allez, faut tout donner. On mourit. Allez, reste. Voilà. Faut qu'on switch tous là, parce que ça va être compliqué sinon. Ah ouais, donc c'est après que ça a baissé. Ok. Snack. Ouais, faut qu'on sauvegarde. Skill. On va faire un ricochet. Hein. Et toi, il faut absolument que tu sauves quelqu'un. Ah ouais, je vais déjà donner. Attends. Oh là 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 là. Mourir dead. C'est fini. En fait, le problème, c'est qu'il faut sauvegarder Omori, et en étant énervé, j'ai l'impression qu'on a un laps de temps différent. Bon, vu qu'elle est heureuse à un moment, il faudrait que forcément... Bon, on va regarder la charte vite fait. Je sais plus. Faut que je regarde la charte de combat, mais je crois qu'il faut qu'on soit triste dès le début, en fait. On va faire comme ça. Test. Parce qu'en fait, le truc, c'est que Omori, il a pas des attaques de groupe, et ça, c'est un problème. Eh bien, on va faire que des grosses attaques. Écoute, Twirl. Voilà, on va être heureux. Le but, c'est d'être heureux. Et de mettre des grosses attaques. Donc, le but, c'est d'attaquer. Et de prévoir le fait qu'elle va nous mettre bien cher. C'est pas grave au début si on tape pas fort. Mais en tout cas, si on a Omori qui est triste, on prendra moins cher, normalement. Et après, je pourrais transformer tout le monde. Ok. On va donner un peu de vie. Tout de suite, comme ça, c'est fait. ...89 de dommages. Ok, alors... Skills. Faut que je transforme... Monsieur.
en évitant dès qu'il soit énervé, attaquer normalement. Et du coup, est-ce qu'on peut lui donner 75% tout de suite à Kel, histoire de... On fait un petit combo. On claque tout. 101, c'est pas mal. Ok. Elle est... Oh non, elle m'a rendu énervé. Heureusement que j'ai sauvé quand même quelqu'un d'autre en heureux. On va se mettre extatique. Ah ouais, tu vas die de ouf, hein, Kel, non? J'aurais dû prévoir qu'elle allait mettre un coup. Hein. Oh, c'est dur! Il est enragé. Aïe, 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 deux personnes enragées. Aïe, aïe, aïe. Faut qu'on soit calme, là. Ouh là là, il n'y a plus personne qui est... No longer be sad or angry. Ok. Ouais, merci. Sauvegarde-toi, Mori. Faut qu'on sauvegarde Mori, donc je lui donne de la vie. Ok. Il y a beaucoup de choses à gérer là, je trouve. Ok. Est-ce que je peux utiliser. Ok, on va rendre neutre les gens. Alors, il nous faut absolument lui. Faut que absolument qu'il revienne à la normale et on va utiliser son skill de ricochet sur lui. Et faut qu'il nous fasse un cook sur Kel aussi. Oh mais Kel, t'es tellement dead! Oh là là! Wow. Ok. Bon. On n'a rien fait. Oh là là. Je sais pas trop comment on peut faire. Au moins il est neutre l'autre. Bon, on va essayer. Il faut qu'on fasse un made gem. Voilà. Avant qu'elle tape, s'il te plaît. Allez, elle a tapé, elle a loupé. Oui, cool. Il est neutre. Ok, donc maintenant il faut que je puisse rendre quelqu'un triste pour pouvoir qu'il s'en sorte. Il faut que tu... le mieux ce serait d'utiliser ça tout de suite. Et on ricochait toujours. Et qui, n'importe qui. Wow. Allez. Ne sois pas énervé. Oh là là. Elle nous met dans des états à chaque fois. C'est peu? Ah merci. Ok, faut qu'on... Faut que j'enlève ça sur, sur Mori. J'ai toujours la live jam normalement. Je sens qu'on va pas y arriver. Ouah. Elle nous met dans des dispositions en fait pour pouvoir nous faire tabasser, c'est incroyable cette histoire. Mais dès qu'on est à 10, on fait un combo. Ok. Il faut absolument qu'on utilise encore le cheesy wheel. Là. On va essayer de sauver lui. On va continuer à attaquer quand même. On va cook à quelqu'un, mais à Omori.
Aïe. Qui est toast? C'est quel? Ok. Allez, release énergie, stopper ou mourir. Ok, c'est bien. Faut qu'on refasse vivre. Notre ami. Je sais pas si ça fonctionne en fait. S'il est dead. 134 quand même. Oulala, il faudrait faire du level up. Oh là là. Ah, on peut pas le faire parce qu'il est dead. Oh non. Oh, je suis choqué. Oh, on va tellement mourir dans la suite là. Bon, on va essayer de refaire venir tout le monde d'abord et après récupérer de la vie. Oh là 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 là. Et c'est la première fois qu'il est KO. Ah, on va peut-être pouvoir le faire. Si on se prend pas de coups, c'est très bien. Faut juste que je fasse attention à ma vie. C'est qui? C'est quel qui va attaquer en premier, donc. Hop. Quel? Ah non, pas du juice. Non, il nous faut de la vie. Voilà. Allez, 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 allez. Non! C'était Omori! Non! Elle attaque en première, elle est plus rapide que nous! Oh là là. On va pas y arriver. Oh, je suis choqué. Oh, j'ai l'impression qu'on n'a pas suffisamment augmenté. J'aurais dû éviter tous les gens. Aïe, aïe, aïe. Bon, alors attendez, parce que je vais faire une pause. Je vérifie la charte. Parce qu'elle est heureuse. Et elle nous met tout le temps dans l'énervement. Donc logiquement, il faudrait que je réussisse à rendre tout le monde triste. Si c'est bien ce que je pense. Alors. Bah ben non, en fait, je vais faire une nouvelle page. Charte Omori. Alors. Ouais. Faut qu'on soit tous malheureux. Mais j'ai que ça, quoi. En fait, j'ai plus d'autres objets, donc c'est un peu compliqué. On va baisser sa défense, écoute. Est-ce que je peux pas, genre, rendre quelqu'un malheureux en mangeant des trucs? Et le jump packet, c'est pas mal, on en a 3. Hein. J'avais pas vu. Ouais, ouais, ouais. Bon, on va baisser ses skills. Et du coup, il nous faut absolument qu'on rende tout le monde triste. Ça va être compliqué. Parce qu'en fait, il faut 4 tours, mais... On commence maintenant. Oh, elle est déjà heureuse, oh là là. C'est parti pour qu'elle nous fasse un tour de l'énervement, là. Tant qu'on est neutre, pour l'instant, ça va. Et tant qu'on est heureux, ça va pour l'instant. Je devrais cook pour quelqu'un, mais je sais pas qui, donc... voilà. J'aurais pu cook pour tout le monde, en fait. Ok. Quel, t'as pris cher. Je devrais te valider direct. Allez, on fait un enchaînement direct, parce que je peux pas. Ne pas le faire. Alors, quel est normalement protégé? Ah non, c'est... ok. Donc on a fait tout le... Pour l'instant, ce qu'on a. On va... Donnons de la vie à quel. Ok. Maintenant ça va être Aubrey. On a besoin d'Aubrey. Je
J'aimerais bien donner de la vie à Kiel, mais je pense qu'on va d'abord taper. Baisser son truc. En fait, le mieux, ce serait de faire... J'utilise ça sur ça, et je donne son skill. Hop. Non, ça devrait être bon. Alors, là, c'est Aubrey qui va être triste. Là, c'est pas mal. Tant qu'elle n'arrive pas à nous rendre tous malheureux, on est bien. Et là, on va pouvoir attaquer Sal. Ok. Tu peux attaquer que comme ça, de toute façon. Oh non! Elle a rendu neutre et énervé, je crois, Lunken. Allez, s'il te plaît. Ok, c'est bien, c'est pas mal déjà. Ah non, mais c'était neutre, quoi. Oula, c'est pas mal ça. J'aurais dû donner de la vie à Aubin. Mauvais jeu. Mauvais jeu! Ok, on continue. On va sauvegarder notre healer. Et on continue nos attaques vénères. Pendant que... puisse un peu sauver... voilà, ça va jouer bien. Hein. Et du coup, il faudrait que... il nous cook un truc... peut-être pour lui. On va faire une attaque, on verra après. 17 de base. Hein. Vous êtes tous tristes. Soyez neutres, s'il vous plaît. Soyez neutres, soyez pas énervés. Oh là 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 là. Ah, oh, j'ai sauvegardé notre... Ouh là 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 là. J'aurais dû appeler quelle. En étant tous énervés, on va prendre tellement cher à la prochaine. Ouh là 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 là, je suis choqué. Eh bien, écoute... on va attaquer, hein. Snack. Il nous faut de la vie. Il nous faut de la vie, il nous en faut 75. Il nous faut de la vie. Aussi. Oh, elle a loupé. La chance. Ouh là là, là on a nos deux piliers, c'est pas mal déjà. Il nous faut Aubrey maintenant. Elle est extatique, oh là là. Elle va prendre plus cher normalement. Elle va prendre plus cher quand j'aurai transformé Aubrey. Ok. Il nous faut absolument donner de la vie à Aubrey. Ok. Et on va baisser sa défense. Aubrey, t'es pas morte? Ouais, c'est bon. On est bien. Elle est énervée, mince, par contre. Aubrey, s'il te plaît, tape. Aïe, aïe, aïe. C'est compliqué. Alors, il faut d'abord sauvegarder notre Mori. Là, par contre, il va falloir que je sauvegarde, je pense, qu'elle. On va pouvoir faire un 10, là. Il est enragé, non, ça va. Allez. Allez. Redeviens triste, s'il te plaît, Mori. Ok. Ok, on est pas mal là. Donc. Faut que je fasse une attaque simple. Et que je essaye de sauvegarder tout le monde. Bah ce sera pour toi. Hein. On va tous faire un petit passage manger. Hein. Ok.
Ouah, la claque qui est loupée. C'est bien. Allez. Voilà. C'est bon, on est prêt. Combo. Elle est pas morte? Oh mon dieu, elle a pris 900, elle est pas morte? Attends, il... Ah, il lui reste pas grand chose, ok. Faut juste qu'on sauvegarde les gens. Wouah, c'est un monstre de PV. Surtout pas mourir, s'il te plaît. Wouah! Il est mort. Mais c'est bon, les deux grosses attaques sont vivants. C'est bien. Ok, cool. Allez! C'est bon, c'est fini. Oh là là. C'était dur. J'ai dû jouer stratégique, c'était compliqué. Hein. Mais on a réussi à avoir l'ultimate, ça c'est bien. Toujours avoir l'ultimate en boss. Hein. Là, je pense qu'on va avoir pas mal de. Ah ouais, peut-être qu'il va pas augmenter de. De points. 5800 d'expérience. Wow. 22 21. Quel aussi. Et pas héros parce qu'il est dead. Dane. Oh oh oh. L'achèvement est débloqué. Ah ouais, carrément. On s'est mis en gang, quoi. Comment a pu se passer? Comment ça a pu être possible? Vous êtes rien, hein? Comment vous avez pu me défier? On t'a pas défié. Lancez les dans les donjons. Garde. Ah ouais, maintenant on est plus bourrin que toi, Sweetheart. C'est fini, Sweetheart. Le mariage est fini. Non, je ne peux pas accepter ça. Laissez-moi tranquille. Oui, bah on va te laisser tranquille, t'inquiète. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Space Boy? T'as cassé quelque chose? C'est Space Boy, je m'en doutais. Ah, la technique. Ah, très très bien. Ma sweetheart. Oh, ma sweetheart. Je suis si content d'avoir pu arriver à temps. Dois t'arrêter. Captain Spaceboy? Idiot! Je pense que je t'ai déjà dit que je voulais voir plus jamais voir ta tête. Oh, sweetheart. Je vous fais en mode Roméo et Juliette. Hein, parce que c'est un peu pété, hein. Mais désolé. Ma sweet chili philly donut. Ah oui, c'était son surnom, purée. C'est cool. Ok. Merci. Pardon. Please, regarde à l'intérieur de ton cœur et donne-moi une autre chance. Je n'aurais pas dû attendre autant de temps. Bon, c'est pas Flag, ça? Bonjour. Bonjour, YouTube. J'espère que tu apprécies la démonétisation. Qu'est-ce que tu fais? Je suis désolé, j'aurais dû venir plus tôt. Voilà, la démonétisation est morte. Bonjour, la démonétisation. Bonjour, marie-moi, Sweetheart, s'il te plaît. Il n'y a pas de monétisation sur nos fouilles vidéo, mais c'est pas grave, c'est si soudain. Si romantique. Occupez l'espace. Sprout Mole, I order you to marry us immediately. Oui, donc il faut que se marier vite. Oui, cher, oui, voulez-vous marier les formalités? Oui, oui, ma princesse, d'accord, pas de formalité, d'accord. Par le pouvoir qui m'est investi, je vous prononce vous et Spaceboy mariés. Vous pouvez vous embrasser, ouais. Oh, c'est censuré. Oh, c'est censuré. Oh, censuré comme la musique. Bonjour, je parle vite. Traversons l'univers. Oui, mon amour, oui, mon mari. J'irai là où vous allez. Let us take leave, my sweetheart. Come, my ships await. Allez, on se barre. De toute façon, il y a mon camion qui est garé juste devant. ma reine. D'accord. C'est fini, là? La démonétisation, elle est partie encore? Non, ok. Alors, bonjour. J'espère que vous appréciez ce moment où je parle pour pouvoir éviter la démonétisation que nous n'avons pas. Ah ah ah. Voilà, donc, ils ont tout cassé.
Ah, ils ont cassé le show. Elle m'aurait dit, non, on peut partir. Ah ouais, super, on peut être tout heureux. Allez, viens, ma reine. Notre chariot attend. Notre char, comme diraient les Canadiens. Les Québécois. Allez, vite, accélérez, là, Sprout. Mercury est rétrograde. La rétrograde de Mercure, c'est pas mal, ça. Pas mal comme nom de vaisseau. C'est cool. Voilà, donc c'est fini, c'était la fin de l'histoire de Sweet Earth. J'espère que la démonétisation... Ah, ça y est, c'est fini, merci. Oh, excusez-moi, j'ai pas pu tout traduire, mais j'ai fait au max. Je suis désolé, Aubrey, hein, je sais que j'ai été un peu trop rapide, mais désolé pour la happy ending. Je ne pensais pas que ça allait s'arrêter, que ça allait se finir aussi bien. Je ne pense pas que ça va se finir aussi bien. Je suppose que c'était une perte de temps incroyable. Et oui, notre lien avec nos amis est devenu plus fort. Tous les combos entre nous ont augmenté. Et voilà. Donc du coup, on va aller voir Marie, on va sauvegarder. Et on peut pas courir. Oh non! J'avais oublié que c'était un truc d'horreur psychologique. Attendez, je vais vous rappeler que c'est un truc d'horreur psychologique. Attends. Qu'est-ce qui se passe, Omori? Est-ce qu'il y a quelque chose de... Il y a un problème? Je vous mets le avertissement en même temps. On va pas aller voir le trou, hein. On va voir le trou, on va pas voir le trou, on va sauvegarder, on va mourir si on y va. Non, c'est pas l'histoire. C'est un grand trou. Est-ce qu'on va devoir sauter? Oui, vas-y, on saute. On n'a pas peur, nous. Ah, carrément. J'imagine que c'est un jeu à choix à partir de ce genre de moment-là, en fait. Mais je pense qu'on pouvait pas trop sortir non plus. On va s'arrêter juste après, hein, je vous précise. Je trouve Marie, on sauvegarde. Ah, j'espère qu'on va pas avoir tout un gros passage avec Nino. Une orchide blanche. Dans le langage des fleurs, ça signifie « Mes pensées te suivront même dans tes rêves. » Ah oui, je peux couper maintenant. C'est vrai, j'ai oublié. Non, mais on traverse. Il y avait des trucs? Non, il y avait rien, je pense. C'est Marie. Marie, serais-tu dans quoi? J'imagine qu'on a oublié plein de trucs, mais c'est pas grave. On essaie de faire avec. Peut-être augmenter le son, histoire de que vous soyez un peu dans l'ambiance aussi. Hop. Bon, là, il y a à peu près ma voix. De façon à ce que vous puissiez m'entendre. Et en même temps, puisqu'on... Ah, il y a un livre. Vous avez trouvé un book d'intérêt. Oui, on va lire. Un par un, et ils dorment tous dans la voiture en rentrant à la maison. C'était un long jour à la plage. Après tout, tout le monde est fatigué. Tintin était le premier à tomber de sommeil, et ensuite le reste. Quand le soleil... est tombé, Tintin, la tête de Tintin est tombée accidentellement sur les épaules de Tintin. La soudaineté de la chose l'a réveillé. Mais il n'osait pas ouvrir les yeux. Il prétend être endormi.
il entend le son de la route. Il sentait le soleil tomber sur sa peau, se reposer sur sa peau, et un peu de douleur sur son nez, dû sunburn, donc je sais plus c'est quoi, c'est quand tu te fais cramer par le soleil. Comment ça s'appelle? Je sais plus. Il est heureux, très heureux, et il s'est fait un vœu à lui-même. N'importe ce qui arriverait, il sera prêt à ce moment tous les jours. Ok. Et encore une histoire de... Encore une histoire, on va lire. On va lire, oui. Puddle of Juice se noie dans le tapis. Au-dessus, ce n'est rien d'autre que Tintin qui... Ah oui, c'est en fait, il y a eu un arrosage de tapis, quoi. Qui tient une boîte de jus ouverte. Il regarde autour de ses amis. Qui ont tous la même air de disappointment. Donc, ils sont un peu désappointés. Il laisse un rire de coupable dans ce qui semblait être une seconde. Tintin disparaît de la porte d'entrée. Un petit chat noir se traverse et laisse des traces mouillées sur le tapis. Tintin, la tête de Tintin se tourne tout rouge et crie Tintin. Mais Tintin is already gone. Tintin Hans. Tintin some white paper to it. Ok, tiens des sous-palins, quoi. Ça ressemble. Qu'il y a des adultes qui sont les seuls adultes ici. Et s'ils ne sont pas là pour nettoyer, le tapis sera taché. Et ils devront dealer avec... Alors les trois carrés, je crois que c'est quel. En fait, c'est le nombre de lettres. En fait, c'est si vous n'avez pas capté. Du coup, j'essaierai de traduire avec le nombre de lettres, mais ça devient plus compliqué en fait. Traduire et en même temps changer les noms. Alors oui, on va lire. C'était un jour chaud d'été et... alors, une lettre, je sais pas. Et tous... Tintin... Could think about what was... ce qui ne s'était pas fait... hier. L'arrière du jardin était en bordel. Des planches de bois... sont partout dans la zone. La peinture est éclaboussée sur la pelouse. Merci à Omori et Aubrey. Le travail de Omori et Aubrey. Tous les jours, Tintin regardait Marie, j'imagine, s'occuper des planches. Et les sortir de la voiture, le truck de son père. Il a regardé Kel, c'est compliqué, hein.
Le marteau de Kael, ses doigts. Et a pris note de la plupart de quand une heure qui s'était passée depuis que. Oh, alors, 1, 2, 3, 4, c'est héros était monté à l'échelle. Je serai juste le soutien moral, dit, à penser, comme il s'asseyait dans la l'ombre de son. Alors, une lettre, je sais pas, je pourrais pas savoir qui c'est. Dans son arbre préféré. Parce qu'il y a Kael, Aubrey, Héro, Marie, Omori, Nino. Je sais pas. Bien sûr, il savait que ça ne serait pas le cas. La plupart de ces. Il y a Basile aussi. Mais Basile, il y en a 4. C'est 5. Bien sûr, ses amis lui demanderont son aide et il ne serait pas capable de refuser. Donc la cabane est pour tout le monde. Donc ce serait normal que tout le monde s'y mette. Tain sait ça, il accepte, mais en rentrant dans le pied. Et il se traîne du côté du bordel. Il sait qu'il devrait faire. Il devrait partager ça avec eux. Mais c'était. C'est juste que c'est le jour le plus chaud de l'été. Compliqué, hein. Je suis désolé, hein, ça devient très compliqué à traduire et à transcrire en même temps les nombres de lettres. Je crois qu'on n'a pas oublié quoi que ce soit ici. Il n'y en a que une. Il y a notre souvenir ici. Bon, je pense qu'on va retourner chez Nino après. Cette année, Wazloki avait tellement de chance d'avoir un bureau assigné proche de la petite fenêtre. Tous les jours pendant la classe, regardait par la fenêtre au niveau des ombres des arbres. Et des nuages qui apparaissaient. Son esprit allait ailleurs. De la manière dont il le dit, dans ses propres mondes, dans ses propres histoires, dans ses propres aventures. Il avait l'habitude de faire ça, et c'était facile pour lui de se perdre. Aujourd'hui, c'était le même qu'hier. Que n'importe lesquels d'autres, en fait. Peut-être que, du coup, c'est Omori ou Nino, le un seul. Plutôt, Nino, je dirais. Regardez vaguement par la petite fenêtre les nuages qui passaient. Soudainement, une main joyeuse lui tape dans le dos. Le sortant de sa rêverie. Et il regardait du côté de l'ouverture. Kael souriait. Ses mouvements. Il remarque que la classe est finie et que c'est le bon moment pour aller manger. Aujourd'hui, c'est le jour de la pizza. Et ils doivent débarquer à la cafétéria avant que ce soit fini. Donc Nino, j'imagine que c'est ça, a des gargouillis dans le ventre. Il regarde à travers la petite fenêtre une dernière fois. Et il devrait continuer ses aventures un autre jour. Là, il y a tellement d'histoires. Ça va être complexe. Avoir fini en plus. Alors, sunset, c'est quand il. Ah oui, c'est midi, quoi, grosso modo. Je crois que c'est ça. Une étrange statue regarde le lac caché. Peut-être que ça voudrait dire que quelque chose d'insignifiant dans le. Mais le temps.
à graver une graving illégible. Ah, le quoi? J'ai pas compris, enfin. Il y a quelque chose qui est illisible. Dans toutes les manières, ce n'est pas grave. Ça ne gêne pas la compagnie qui visite aujourd'hui. Ils sont juste là. Here to use it as a diving board. Donc ils sont juste là pour l'utiliser comme un diving. C'est une planche à sauter en fait dans l'eau. Les frères prennent leur saut. Enfin, take turn to jump off the statue. Donc il y a Kel et Hero qui sautent de la statue. Hero saute en premier, Kel ensuite. Et ensuite, donc Kel, Hero encore. Et Kel ensuite. Les frères appellent Nino, j'imagine, à les rejoindre. Et après quelques pensées, il accepte. Nino monte sur la statue et regarde en bas l'eau qui se déplace. Et il sent que son cœur bat. Ses oreilles sonnent. Ses jambes lui font défaut. Comme s'ils allaient. Comme s'ils allaient lâcher. Comme s'ils allaient lâcher. Il essaie de se concentrer sur sa respiration. Il sent quelque chose grimper sur son épaule et ses yeux. Rencontre une araignée noire. En un instant, Nino perd tous ses sens et hurle et saute dans le lac. Le nez rempli d'eau. Il essaye d'utiliser son. Alors, his limbs, ça doit être. C'est bizarre parce que c'est organe, je crois. Mais l'eau est plus forte. Il est trop faible, sans défense. Et c'est ce qu'il pense. Nino ferme ses yeux et attend les frères pour le sauver. J'ai l'impression que la lumière s'éteint au fur et à mesure qu'on lit des trucs que j'ai. C'est moi ou je rêve pas? Je vois plus rien. Je vois strictement plus rien. Je sais plus du tout ce que je vois. Enfin, je vois plus rien. En plus, moi, j'ai le reflet, donc... Si vous voyez sur mon côté la lumière, c'est normal. C'est de la lumière. Et du coup, ça flash sur le... Attendez, je vais essayer de changer la luminosité. Peut-être que je suis pas au maximum. Je ne suis pas au maximum, ok. Mais ça change rien. comment dire? Ah si, c'est un peu mieux. Ok. Donc, il y a encore des trucs. J'ai l'impression que c'est la fin. Peut-être on va aller de l'autre côté parce que là il y a la lumière. Ah, il y a une lettre. Prends la lettre. Il y a un trou là. On va pas regarder dans le trou pour l'instant. Après. Faut qu'on lise d'abord le dernier. Et là, il y a de la lumière, je sais pas ce que ça signifie, donc on verra après. D'abord l'histoire. Alors, ok. Tout le monde a fini encore aujourd'hui. L'occasion spéciale du... c'était le matin du samedi. De 7h à 11h, un groupe de 6 amis à manger un petit déjeuner délicieux et regarder la télé ensemble. C'est le meilleur moment de la semaine, de chaque semaine. Nino regarde l'heure, il est 8h, 2h à rester. Il serait capable de regarder... Il serait capable de regarder avec tout le monde la télé jusqu'à 10h. Jusqu'au moment où son tuteur arrive.
Nino grimace. Ce qu'il pensait être un hobby est devenu une nuisance. Au lieu de regarder des séries avec ses amis, il serait le seul à louper. Ah, son tuteur, c'est son tuteur de violon, j'imagine. Si seulement il pouvait rester... regarder la dernière heure avec eux, elle. Si seulement ils n'avaient pas à jouer du violon. Ouais, c'est ça. En fait, ils sont isolés. Et il y a un pan. Là, il y a un pan, là. Il y a un truc, là. Avec des yeux. Ouais, donc là, c'est ça, son truc. Ok. On va aller du côté du trou pour voir. Je sais pas si c'est de quel côté qu'il faut aller, donc on va aller par là. On va regarder juste. Basile ? Ok, Basile. Est-ce qu'on est revenu chez Nino là ? Don't forget, it's in the toy box. La clé est dans la boîte à jouets, ok. Notez-le, hein, parce que moi je me rappellerai pas. Oh non ! Oh là là. Voilà, bon, alors du coup, je vais rappeler et ça va être la fin. Ça va être la fin. Je vais juste vous rappeler juste avant, parce que je sais que c'est ce qui va se passer. J'aurais dû aller de l'autre côté, je pense. J'aurais dû aller de l'autre côté. Je pense que ça jouait beaucoup. Là. Peut-être que c'était juste voir. Deux jours après. Deux jours qui restent, plutôt. Et on est revenu chez Nino. Voilà, donc du coup, on va s'arrêter là. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau, à part faut qu'on sauvegarde dans la chambre de la maman ? Ah, il y a quelqu'un qui appelle. Alors, il y a un message. On va regarder le message, d'abord. Tu as un nouveau message. Salut, maman. Nino, c'est maman. Est-ce que tu vas bien ? Tu réponds pas trop à mes appels ou réponds à mes messages. Si tu continues à m'ignorer, je vais commencer à m'inquiéter. J'espère que tu fais bien tes tâches. J'ai l'impression que je ne pourrais pas finir un jour. Dans un jour. Est-ce que tu as essayé de visiter Kel ? Sinon, c'est pas grave. Je comprends. Fais les choses à ton rythme. À propos, est-ce que tu peux vérifier dans le placard en bas s'il y a quelque chose que tu veux récupérer. On va peut-être sans doute jeter tout, mais tout ce qui ne t'intéresse pas. Il reste deux jours avant que je vienne te chercher. Ok, maintenant, c'est bon. Ouais, salut. Salut, maman, t'aime. Bye. J'ai pas le temps. On regarde un peu ce qu'elle nous a encore donné. Je crois qu'on a rien fait encore. On va aller sauvegarder. Avec ce bruit du stress de l'enfer. Ah non, ah non. On va juste sauvegarder, laissez-moi. Voilà. Je sauvegarde ici. Uniquement pour un truc. C'est si jamais on veut revenir en arrière, on pourra. Voilà, donc du coup, je vous laisse. Je vous fais des bisous. Je suis désolé, je pensais qu'on allait finir plus tôt. Voilà. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao. J'espère que vous avez bien kiffé. Vous n'avez pas eu trop peur non plus. Il y a eu des choses qui sont passées quand même aujourd'hui. Voilà. À la prochaine. Des bisous.